Добрый день, дорогие друзья. Bonjour à toutes et à tous. Жан-Пьер, пока можно выключить микрофон. Меня зовут Константин Волков, я директор Русского дома науки и культуры в Париже. Je m'appelle Constantin Volkov, je suis directeur de la Maison russe des sciences de la culture à Paris. Я рад вас приветствовать в нашем замечательном доме. Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à notre maison. Как обычно, я начну с обращения к французским зрителям, чтобы они знали, как у нас сегодня организован синхронный перевод. Comme d'habitude, je tiens à m'adresser d'abord à nos spectateurs francophones pour leur dire que nous avons prévu pour aujourd'hui l'interprétation, comme d'habitude, l'interprétation simultanée. Donc, elle sera opérationnelle pendant toute la conférence. Donc, vous pouvez en bénéficier en cliquant sur le globe qui est derrière l'écran et donc de choisir derrière ce globe, derrière ce petit globe, la langue que vous préférez. Oui, je préfère. Comme ça, vous allez laisser Jean-Pierre. Je vais vous donner la parole un peu plus tard. Chers amis, aujourd'hui, nous continuons notre série de rencontres dédiées aux événements phares de la culture et histoire russe en France et à l'étranger. Aujourd'hui, notre rencontre est dédiée, à mon avis, au symbole le plus important de Russie, des Russes à l'étranger. C'est le plus grand nécrophage russe en dehors de Russie, à Sainte-Geneviève-de-Bois. Depuis longtemps, le carré russe à Sainte-Geneviève-de-Bois est au centre d'attention de l'État russe et bien évidemment du président M. Poutine. Il n'y a pas longtemps, M. Poutine a rendu visite, il a visité le cimetière et d'après sa décision, il y avait des mesures qui ont été prises afin d'éviter la perte d'une partie des sépultures russes. Et en plus, de fonds assez importants ont été alloués pour les concessions qui sont arrivées à leur terme. Dans le cas, lors de sa visite, elle a été accompagnée par le meilleur connaisseur de Sainte-Geneviève-de-Bois, mademoiselle Tatiana Chamchev, femme exceptionnelle qui est depuis 50 ans consacrée à la sauvegarde du secteur russe. Je tiens à la remercier pour sa reconnaissance, pour tout d'abord son travail inlassable au nom de la sauvegarde de cette partie importante du patrimoine russe en France. Ce sujet-là est toujours contrôlé et surveillé par le ministère des Affaires étrangères russe ainsi que Rosatronichesbo. S'il nous reste un peu de temps, je vais donner plus de détails là-dessus. Bien évidemment, ce sujet, il était aussi attiré par beaucoup de peintres, artistes, spécialistes, experts, hommes littéraires. Bien évidemment, on le comprend, c'est difficile de trouver l'endroit plus riche et plus précieux. Mais l'un des recherches les plus complètes et les plus actualisées est le livre préparé par les membres de l'association Les Amis de l'Histoire de Sainte-Geneviève-de-Bois et ses environs. Un vrai enthousiaste et connaisseur de notre nécropole, c'est Jean-Pierre Lamotte, en collaboration avec Pascal Monchâtre. Et ayant préparé notre rencontre, nous avons demandé nos invités, nos intervenants d'aujourd'hui, de parler un peu également de personnalités russes qui ont trouvé leur dernière abri à Sainte-Geneviève-de-Bois, et bien évidemment sur l'état du secteur russe. Et j'attire votre attention en fait que cette présentation d'auteur que vous allez voir, beaucoup de documents et d'informations seront publiés pour la première fois. Donc, restez avec nous. Et je ne souhaite pas que l'on travaille dans le régime de télévision, c'est pour ça que je vous propose d'envoyer vos commentaires et vos questions dans la rubrique chat. Et je vois que parmi nos spectateurs, il y a aussi de vrais connaisseurs de la nécropole russe qui sont des auteurs de travaux et études bien remarquables sur les personnalités russes. Et à la fin de la présentation, j'aurai l'occasion de poser toutes vos questions et j'espère que nous avons une très bonne discussion, bien riche et intéressante. Et avant d'inviter en micro Jean-Pierre Lamotte, je souhaiterais
passer la parole à un partenaire de longue date. C'est la Fondation L'Histoire de la Patrie qui suit de près l'état et le destin de ce métier Sainte-Geneviève-de-Bois. Et je passe la parole au directeur exécutif de la Fondation L'Histoire de la Patrie, docteur en histoire, membre de la Société de l'Histoire de Guerre russe, le rédacteur de comparaison, le manuel russe, M. Gakouyev. Merci beaucoup, M. Volkov. Je trouve que cette rencontre doit être très intéressante pour tous les participants et le sujet proposé par M. Lamotte est bien important pour nous. Tout d'abord, nous le connaissons en tant qu'auteur de son fameux livre, en tant que membre de l'Association des Amis de l'Histoire de Saint-Geneviève-de-Bois et ses environs, qui font un travail bien important pour notre fondation ainsi que pour la Société d'Histoire russe. Le sujet de l'immigration russe était toujours l'un des plus significatifs dans notre travail. Il y a quelques années, dans la Maison russe des sciences de la culture, nous avons organisé une présentation de livres, d'une nouvelle édition du livre des personnalités qui ont trouvé leur dernier abri sur le cimetière de Saint-Geneviève-de-Bois. Et le travail que fait Jean-Pierre est bien important pour nous afin que l'on puisse compléter chacun. Et moi, j'ai vu déjà l'édition de son livre en français. Et puis, je sais que cette édition, et ce livre est toujours complété par de nouvelles informations. J'apprécie beaucoup le fait qu'il existe une édition en russe. Et moi, je remercie tous les historiens qui prêtent tout leur temps, leur attention à ce sujet. Et je remercie de mon côté M. Lamotte qui le fait avec son collègue, et son livre pour nous est très précieux dans beaucoup de cas lorsque l'on fait nos recherches. Il est important à noter un autre aspect de son travail, c'est notamment son travail minutieux sur l'état des sépultures à Saint-Geneviève-de-Bois, notamment lorsqu'il faut effectuer l'entretien le plus rapide et le plus efficace, et il donne, je sais bien qu'il donne ses recommandations. Nous avons suivi toujours de près tous les éléments de son travail et nous serons prêts à prendre part à la sauvegarde de bon état de ces sépultures. Et pour nous, comme annoncé M. Volkov, aujourd'hui, il y aura aussi beaucoup de choses très intéressantes. Et de nouveau, je tiens à souligner que la fondation, notre fondation ainsi que la Société de l'Histoire russe auront le plaisir de prendre part aux événements réalisés par la Maison de sciences et de la culture à Paris. Donc, je remercie de nouveau les organisateurs et M. Lamotte pour cet événement et pour votre activité enrichissante. Merci beaucoup d'avoir trouvé votre temps, M. Gakouyev. Nos meilleures salutations et nos remerciements à M. Narishkin, le président de la Société d'Histoire russe, et bien évidemment à M. Mogilevski, le président de la Fondation. Je crois que notre collaboration est très fructueuse et nous espérons le développer et que ce serait mutuellement fructueux et intéressant. Oui, bien évidemment, je transmettrai mes salutations. Donc, j'attire votre attention que notre conférence est enregistrée et nous espérons qu'une partie de notre conférence ou en intégralité, elle sera disponible, elle sera diffusée dans le cadre du salon qui aura lieu bientôt à la Place Rouge. Normalement, le salon a été prévu aujourd'hui, mais il est reporté. Et que tous les amateurs
de livres russes. Je souhaite bien qu'ils aient cette occasion d'avoir cette information sur le monument historique Saint-Geneviève-de-Bois au cœur de la capitale russe. Juste quelques mots. En effet, la diffusion en direct de votre émission dans le cadre du festival a été prévue. Malheureusement, il sera reporté. Mais néanmoins, l'enregistrement que vous êtes en train de faire, nous pourrons le diffuser et puis tous les participants de ce festival, ils pourront le suivre en ligne. Et puis, vous pourrez les suivre sur la chaîne YouTube, sur nos réseaux sociaux. Et je sais que Monsieur Debov, lui, il tient la conférence actuellement en Belgique. Normalement, il aurait dû être avec nous, mais je sais que dès qu'il revient, il pourra également suivre l'enregistrement de cette vidéo. Je remercie de nouveau Monsieur Gakouyev et je reviens à notre invité principal qui attend sa parole. Il y a deux présentations qui prévues et nous avons une longue conversation à ce sujet et vous pourrez voir tout du spécialiste qui depuis longtemps mène cette activité. Donc c'est lui, ce sont ses témoignages, c'est à vous la parole. Oui, bonjour. Je vais simplement, bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Lamotte, je vais un tout petit peu compléter ce que vient de nous présenter Assia, effectivement, je suis de l'Association des Amis de l'Histoire de Sainte-Geneviève-des-Bois et la personne qui m'accompagne, c'est Pascal Monchâtre. Cette association a pour but d'œuvrer pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine culturel de notre ville et des environs, avec notamment la sauvegarde du cimetière russe. Alors, une précision, nous ne sommes pas du tout des historiens, mais simplement des personnes qui sont passionnées par le sujet, mais on n'est absolument pas historien. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais remercier Constantin Volkov et son adjointe Assia Ochevnikova pour la qualité de leur accueil qu'ils nous ont toujours réservé à chaque réunion préparatoire, de leur aide pour l'organisation de cette visioconférence. Bravo à l'équipe technique, sans qui rien n'aurait été possible. Nous avons été très sensibles à l'intérêt porté dès le début de nos rencontres par Constantin et Assia. Cette conférence marque le début d'une longue collaboration à laquelle nous apporterons tout ce qui sera nécessaire pour parachever l'étude sur l'état des tombes du cimetière russe de notre ville, mais c'est un sujet que l'on abordera en deuxième partie. Nous remercions également M. Frédéric Potita, notre maire, qui connaît l'importance de ce cimetière russe, vitrine culturelle de notre ville, peut-être unique au monde. C'est ainsi que les allées de cette nécropole sont toujours bien entretenues grâce au personnel municipal. Pour rappel, l'entretien des tombes est à la charge des familles. Voilà. Alors, nous allons commencer maintenant pour présenter notre livre, c'est le but de cette présentation. Alors, pourquoi un cimetière russe à Sainte-Geneviève-des-Bois? Je vais vous faire un petit résumé de l'historique de ce cimetière. Alors, voilà. Donc, un conte russe à Sainte-Geneviève-des-Bois, c'est le titre de notre livre. Et il a donc été réalisé par notre association, les Amis d'Histoire de Sainte-Geneviève-des-Bois. Voilà, alors donc il existe en français à gauche et en russe à droite. Ça, vous le voyez aussi bien que moi. Alors, pourquoi il y a un cimetière? C'est d'abord, il y a eu la création d'une maison russe à Sainte-Geneviève-des-Bois. Hein, ce n'est pas la maison russe de la rue Boissière, à Sainte-Geneviève-des-Bois. Et il y a une princesse qui s'appelait la princesse Vera Kirillovna Merchersky, qui est arrivée en France dans les années 20 et qui a monté à Paris une école pour enseigner les bonnes manières, le maintien à des personnes de l'aristocratie européenne. Par exemple, dans ses élèves, il y avait la duchesse de Kent ou éventuellement même la fille de Yusupov, Irina Yusupov. Elle est arrivée donc dans cette école et dans cette école, elle avait aussi une élève qui s'appelait Dorothy Paget, qui s'est liée d'amitié avec la princesse. Dorothy Paget était très très riche et elle a décidé d'offrir à la princesse ce château, le château qui s'appelait à l'époque le château de la Cossonnerie, qui est un château qui date d'environ 200 ans. Pendant un moment, il était la propriété du secrétaire de Napoléon Ier, à titre d'exemple. Donc elle lui a acheté ce château et en 1927, elle a pu ouvrir
cette résidence pour les Russes en difficulté, les émigrés qui étaient quelquefois même SDF, enfin, sans domicile fixe, ou qui étaient malades, qui étaient âgés. Et donc, ça a été ouvert en avril 1927. Alors voilà, maintenant, ça ressemble à ça, ça a été complètement restauré. Ça, c'est la partie ancienne de la maison russe. Là, en 1920, c'est l'autre partie qui date donc de l'époque d'il y a à peu près 200 ans, et puis qui avait été donc occupée, je vous l'ai dit tout à l'heure, par le baron Agathon Fin, qui était le secrétaire personnel de Napoléon Ier. Il l'a accompagné sur tous les terrains de bataille, et ce qui est amusant, c'est qu'il l'a aussi accompagné en Russie, et jamais il serait imaginé qu'un jour, la propriété qu'il a achetée, ben, ça deviendrait une demeure pour les Russes. Voilà, donc aujourd'hui c'est comme ça. Ça, c'est une photo, une représentation de ce que c'était en 1928. Et vous remarquerez que le mobilier est pratiquement le même. Vous voyez, les chaises sont exactement les mêmes. Les tableaux sont ceux qui étaient là à l'époque, enfin un petit peu après peut-être. Ça, c'est le petit salon. Le trône. Alors, le trône du tsar, et pourquoi il est là? C'est parce qu'en fait, au début, il était à l'ambassade de la Russie impériale à Paris. Alors, je crois que c'était rue Grenelle. Et avec des tableaux. Et à la Révolution, on a voulu préserver tout ce qui était donc dans cette ambassade. Et le trône et quelques tableaux d'autres objets, hein, je connais pas toute la liste, ont été transférés à la maison russe de Sainte-Geneviève de façon à les protéger. Et puis, avec le temps, on a oublié. Du coup, tout est resté dans ce bâtiment, la maison russe. Donc, le trône est toujours maintenant à la maison russe. Voilà, la chapelle qui est à l'intérieur, qui est dédiée à Saint-Nicolas le Thaumaturge. C'est tout petit, hein, on ne se rend pas bien compte sur la photo, mais c'est tout petit. Et à l'arrière, on a trouvé, c'est M. Nicolas de Boyeux, qui est le directeur de cette maison russe, qui m'a montré, vous voyez, les écritures qui indiquent que cette église a été dessinée en l'année 1933, à partir de la naissance du Christ, par Sergueï Semenovitch Yurievitch, avec les aides d'Alexandre Vassiltchikov et de la princesse Eudoxie Galitzine, ainsi que d'Arkady Lakovy. Là, malheureusement, c'est la morgue. C'est une vieille photo. Là, elle était à peu près en état, mais là, maintenant, elle n'est plus tout à fait dans le même état parce qu'elle a servi pendant un moment à autre chose. Et bon, je pense qu'elle sera restaurée prochainement, mais un peu plus tard. Voilà, alors ça, c'est des photos que j'ai pu récupérer grâce à Nicolas de Boyeux, qui avait retrouvé, il y a une dizaine d'années à peu près, un album photo, des photos qui ont été faites en 1928. Et donc, c'était les toutes premières photos des premiers émigrés. Et là, on voit par exemple le cuisinier, là, Grigory Kirpichev, dans les cuisines. Voilà. Et puis, les premières photos qui ont été faites des pensionnaires qui étaient donc installés depuis un an auparavant. Hein. Alors là, bon, c'est difficile de reconnaître les gens. Moi, je n'ai pas encore l'habitude. Voilà. Là, on voit un ancien général de cavalerie, le général Pavel Ofrosimov, qui, il était émigré, mais il n'avait plus du tout de titre, il n'avait plus rien, alors qu'auparavant, c'était quelqu'un d'important. Vous voyez, quand on compare les deux photos, on voit tout de suite la différence. Là, la photo, on arrive à reconnaître. Ici, vous avez Vera Merchersky. Qu'est-ce que je reconnais? Je sais tout ce que je reconnais. Enfin, les autres, je ne suis pas bien sûr, je ne vais pas en parler. Mais Vera Merchersky est là, au milieu. Et ça, je vous le rappelle, ça date de 1928, la photo, donc un an après l'ouverture. Voilà. Et, ouais, et le prêtre Dimitri Trotsky, qui était le recteur de la Saint-Nicolas de Thaumaturge. J'espère que je ne parle pas trop vite. Alors, un exemple des chambres qu'il y avait dans ce bâtiment. Alors, ce n'était pas très grand. Hein. Là, c'est la chambre de Mme Piouchkeva. En règle générale, les Russes qui étaient hébergés dans ce château avaient quelques souvenirs personnels. Il y avait beaucoup d'icônes. Moi, je me rappelle avoir été visiter une fois une baronne, je ne me souviens plus de son nom, mais il y avait énormément d'icônes accrochées au mur. Et pour certains, et ça c'est incroyable, mais certains avaient une valise sous le lit. Et en fait, ils espéraient toujours pouvoir retourner en Russie, donc ils étaient prêts à repartir. La valise était prête sous le lit. Voilà le parc automobile de l'époque. Alors, donc l'origine du cimetière maintenant. C'est un cimetière communal, hein, je ne l'ai pas précisé au départ. Il est très grand, il doit faire 10 ou 12 hectares. La partie orthodoxe représente 5250 tombes.
Donc, en gros, je pense que c'est à peu près la moitié. Et les autres tombes sont des tombes catholiques romaines. Et on l'appelle, donc tout le monde l'appelle maintenant le cimetière russe. Alors, l'origine de cimetière, pourquoi? C'est parce que il y avait une église qui était installée, alors bon, pour les gens qui connaissent Sainte-Geneviève, à l'emplacement actuel du magasin Carrefour. Et cette église, elle a pris la foudre. Et donc, elle a pris feu en 1875. Et elle était complètement dégradée. Donc, la municipalité de l'époque a décidé de ne pas la reconstruire, mais de la reconstruire ailleurs et de transférer les tombes qui étaient autour de l'église, parce qu'à l'époque, ça se faisait comme ça, les tombes n'étaient pas dans un cimetière, mais entouraient l'église. Et elle a donc transféré ces tombes dans une partie de terrain qui a été donnée par quelqu'un de Sainte-Geneviève, Étienne Saintin, qui était conseiller d'arrondissement et qui était aussi un des plus gros agriculteurs de l'Yerre. Voilà, ça, c'est la partie historique, la partie la plus ancienne, c'est ce qui était tout à fait à l'origine du cimetière, qui est devenu le cimetière russe. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de tombes. Voilà, donc ça, ce sont les tombes qui ont été transférées de l'ancienne église dans ce nouveau cimetière. Tombes catholiques. Et voilà, donc le développement, à partir de... Non, ça s'est fait en gros, il y en a eu un peu plus, mais j'ai résumé à trois étapes. Entre 1927 et 1935, il y avait 120 tombes russes sur un total de 400. Voilà, c'est ce qui apparaît ici. Donc, c'est la photo que je vous ai montrée auparavant. Et ce qui est en orange, c'est la partie orthodoxe. Ensuite, il a fallu agrandir, parce que rapidement, c'était trop petit. Donc, entre 35 et 70, on a agrandi et on a été jusque dans la rue. Là, et la partie orthodoxe est toujours en orange, là, vous voyez. Et puis, voilà, ça ressemblait un peu à ça. Là, c'est ce que je viens de vous montrer à l'instant. L'église qui a été construite un peu plus tard, mais je vais vous en parler après. Et ça, c'est l'agrandissement, c'est la troisième zone, la troisième agrandissement. Et vous voyez, à l'époque, Sainte-Geneviève, c'était des champs. Hein, on voit des meules de foin, il y a des champs partout. C'était vraiment la campagne. Hein, il y avait très peu d'habitants. En 1927, il y avait peut-être 700, 800 habitants, pas plus. Hein. Maintenant, il y a 40 000. Et maintenant, il y en a presque 40 000. Ouais. Et voilà, donc ça, c'est le troisième agrandissement. Et c'est, aujourd'hui, ça ressemble à ça. Donc, tout ce que vous voyez en orange, eh bien, c'est la partie des tombes orthodoxes. Alors, il y a une église qui a été construite en 1938, parce qu'en fin de compte, il n'y avait pas d'église, il y avait bien une chapelle dans la maison russe, mais c'était tout, c'était petit, et entre-temps, il y avait beaucoup de Russes qui étaient arrivés, donc qui étaient installés soit à la maison russe, soit qui habitaient à Sainte-Geneviève. Donc, il y avait des enterrements, il y avait des célébrations à faire. Et donc, on a décidé en 1938 de construire une église qui s'appelle donc l'église de la Dormition, voilà, telle qu'elle est au jour d'aujourd'hui. Elle a été construite très vite parce que les fonds pour pouvoir la construire ont été trouvés rapidement. Et il y a eu les promoteurs de la construction, surtout celui qui a récupéré les fonds, qui a géré un peu tout le développement, la construction de l'église, c'est le métropolite Eulogie. Ensuite, il y a Albert Benoît, qui est de la famille Benoît, la grande famille des peintres Benoît, qui était l'architecte et le décorateur, mais il était aussi aidé de sa femme Marguerite. Et à eux deux, ils ont peint l'intérieur, la crypte et le portail d'entrée. Et Jules Perrou, c'est le constructeur de la société de construction de Sainte-Geneviève-des-Bois qui a réalisé cette chapelle, cette église, pardon. Voilà, ça c'est une photo, elle n'est pas très bonne qualité, mais enfin bon, ça mérite d'exister. Et c'est la pose de la première pierre en avril 1938. Alors là, pour reconnaître les gens, ce n'est pas facile. Hein. Mais vous voyez, autour, il n'y avait rien du tout. Hein. Des photos en cours de construction de cette église. Et puis voilà, là, elle est terminée. Elle a été consacrée, inaugurée en octobre 1939. Donc, vous voyez, un peu plus d'un an après. Et il y a une crypte. Alors là, les photos que vous voyez, ce ne sont pas des photos que j'ai pu faire parce qu'on ne peut pas rentrer, c'est réservé. Donc, ce sont des reproductions de cartes postales que j'ai trouvées pour pouvoir illustrer ce document. Là, c'est intéressant, on ne voit pas bien, mais c'est une lettre qui m'a été donnée par la fille de M. Perrou, le constructeur de l'église. Elle a été écrite par M. Benoît pour justement adresser à M. Perrou pour le remercier de la qualité de son travail de maçonnerie effectué. Et vous voyez, j'ai repris une citation, « Église à la Dormition, le clocher, la maison du gardien et le mur de clôture avec la porte d'entrée. Travaux ayant été exécutés parfaitement bien et avec le plus grand soin. » Donc, c'est vrai qu'il a fait un très bon travail. Hein. Et donc, c'est signé, vous voyez, d'Albert Benoît. Alors, les ecclésiastiques qui sont inhumés dans la crypte, alors ça, c'est bon, ils ne sont pas tous là. Hein. Il y a l'évêque Cassien, le métropolite Eulogie,
et le bienheureux père Alexis Medvedkov, qui lui était dans la crypte, mais qui n'y est plus. Hein, je vais en parler un peu plus tard. Voilà, le plan de la crypte avec les différentes personnes qui sont enterrées. Et la dernière personne à avoir été inhumée, c'est l'archevêque Gabriel, il y a à peu près 7-8 ans. Alors là, voilà. Donc les principaux acteurs, le premier acteur de l'Église, c'était l'archiprêtre Alexandre Kalachnikov, qui a été recteur de 1939 à 1941. Ensuite, il y a eu l'archiprêtre Léon Liperovski, qui lui a été recteur après le précédent de 1941 à 1952. Et en 1952, il y a l'archiprêtre Alexandre Erguin, qui lui a succédé jusqu'en 1975. Et le dernier en date, c'est le métropolite Jean de Doubna, qui pour l'instant assure la fonction de recteur. Alors, son nom dans le civil, c'est Jean Renotot. Alors, dans ce cimetière, il y a des grandes cérémonies militaires et religieuses. Alors, quelques exemples. Par exemple, la cérémonie qui a été faite en 2009 pour célébrer le 70e anniversaire de la construction de l'inauguration de cette église, donc à peu près au jour près. Là, on reconnaît, je sais pas, Jean de Boisul, hein, c'était l'ancien directeur de la maison russe, et il y avait un évêque et deux archevêques qui sont ici, l'archevêque Gabriel de Coman qui malheureusement est décédé en 2013, l'archevêque Innocent qui maintenant est ailleurs, il est en Lituanie je crois, et puis l'évêque Michel de Genève. Voilà. Alors, il y a aussi une cérémonie très importante qui a eu lieu le 7 octobre 2007 avec, c'était la première fois depuis plusieurs centaines d'années, le patriarche Alexis II, qui est venu célébrer un office dans ce cimetière. Et d'ailleurs, on a eu la chance de le rencontrer et on lui a remis d'ailleurs la maquette de notre premier livre. Je n'ai pas la photo, mais vous pouvez me croire. Et il est accompagné du métropolite Kirill, à l'époque était métropolite, mais maintenant il est devenu le nouveau patriarche de Moscou depuis le 1er février 2009 à la suite du décès d'Alexis II. Voilà, donc des cérémonies militaires, hein, ça peut être la cérémonie devant le monument de Vera Obolensky, ou alors le monument de Gallipoli. Bon, et puis il y a d'autres cérémonies, ça peut être devant les cadets russes, ça peut être devant les aviateurs, ça peut être devant la garde impériale, enfin, ou éventuellement les cosaques. Enfin bon, tous les ans, il y a des cérémonies. Alors maintenant, on va parler de notre livre, puisqu'on est là pour ça. Voilà, alors en 2008, on a sorti déjà un premier livre en français et en russe. Voilà, et puis entre-temps, bon, on a continué à travailler. Et on a trouvé plein d'autres personnages qu'on n'avait pas trouvés la première fois, parce que nous, quand on a commencé à faire le tour du cimetière pour voir quelles étaient les personnalités d'enterrés, on ne connaissait absolument rien. On ne connaissait même pas le cyrillique, donc ça n'a pas toujours été facile. Et donc, on avait oublié des personnages parce qu'on ne savait pas. On a fait un deuxième livre qui est sorti en 2019 en français et l'année dernière en russe. Et donc, vous voyez, il y a beaucoup plus de personnalités. Il y en a eu 266 pour 240, mais avec un peu plus de pages également dans cette nouvelle version en français et en russe. Alors, voilà, les différents thèmes qui sont abordés dans le livre. Bon, on ne va pas passer un par un, mais c'est architecture et aristocratie. Bon, c'est à peu près représentatif de ce qu'on a dans le cimetière, à peu près. Là, vous voyez, il y a une nouvelle rubrique qui avait été créée qu'on n'avait pas dans le premier, c'est les chauffeurs de taxi. Ou alors, dans les militaires, on le verra après, il y a les marins. Il y a une rubrique qu'on a créée qu'on n'avait pas à l'époque, en 2008. Voilà, alors le livre, il ressemble à ça. Sur chaque page, il y a la biographie d'une personne. Par exemple, ici, on a celle de M. Krivoshein. Alors, excusez-moi pour la prononciation des mots russes, je prononce certainement très mal, hein, mais bon, j'espère que vous allez me comprendre. Alors, monsieur, voilà, donc il y a la biographie, en l'occurrence, là, c'est son fils, qui, Nikita, je crois, qui a réalisé la biographie de son père. C'est lui qui m'a fourni la photo, et en règle générale, il y a la photo de la tombe qui est sur une autre page, mais ce n'est pas la page de droite. Hein, c'est, bon. Voilà, et donc, pour résumer, il y a toujours la biographie, la photo de la personne et la photo de la tombe. Là, vous avez une autre page avec celle de Catherine Serebryakov, on va en parler après. Voilà, donc ça, à la fin, vous avez un document qui est quand même, une partie qui est intéressante, c'est un index. C'est un répertoire en ordre par ordre alphabétique où on indique où, dans le cimetière, on trouve la tombe, parce que
Ici, il y a des repères orthonormés. Voilà, moi, je ne vois pas bien, mais c'est dans cette zone-là. Et ça permet de savoir qu'un tel, eh ben, quand on prend le plan, on prend les repères orthonormés avec des lettres et des chiffres, et on sait que c'est la tombe qu'on cherche, elle est là, par exemple. Hein, d'accord ? Voilà. Alors, quelques exemples de personnalités qu'on trouve dans le livre, hein, qui sont donc enterrées dans ce cimetière. Ça, c'est pour dire qu'en fait, quand on a commencé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne connaissait pas du tout le cyrillique, c'était un peu difficile. La preuve en est, c'est qu'en début, on ne connaissait pas l'importance du patronyme. Donc, quand on a eu terminé de voir les 5250 tombes, on nous a dit, mais vous avez oublié de prendre les patronymes. Donc, on a refait un deuxième tour pour compléter. Voilà, ça, c'est ce que j'ai dans mon ordinateur. Hein, c'est, vous voyez, il y a énormément de militaires, hein, entre les carrés et les militaires ordinateurs en tombe individuelle. Ensuite, tout de suite derrière, ce sont les aristocrates, puis après, ça descend vite avec les scientifiques, les religieux, etc., etc. Voilà, deux sculpteurs, il y a quatre Romanov quand même, on va les voir après, d'accord ? Ça, c'est pas exhaustif, hein, c'est pas la liste de toutes les personnalités, parce qu'on a pris en compte que les tombes où il y avait une précision sur le titre de la personne, si on indiquait que c'était un général, si c'était un peintre, si c'était un écrivain, à ce moment-là, on prenait note. Mais quelquefois, il n'y avait rien de précisé, on ne prenait pas note. Et c'est là qu'on s'est aperçu après coup qu'il y avait d'autres personnalités qu'on avait loupées. Alors voilà, donc la tombe, ça c'est la tombe de Vera Mercherski, la fondatrice de la maison russe en avril 1927. Alors la photo, elle n'est pas très nette, hein, je suis désolé. Et là, c'est la première tombe orthodoxe du cimetière, donc dans la partie historique qui est tout à fait au fond, à vous rappeler. Il n'y avait que ça au début. Et c'est un pensionnaire qui était à la maison russe, mais en fait, c'est pas voilà, il s'appelait Anatole Kotcharov, pardon. Mais la première personne décédée à la maison russe, c'est le général Kalitine, qui est décédé, donc c'est écrit le 7 juin, mais qui a été enterré un peu plus tard. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas dans la tombe numéro 1. Il est un peu plus loin, la tombe 7 ou 8 ou 10, je ne me souviens pas. Voilà, il y a des aristocrates. Ce sont des exemples. Hein. Donc la famille Yusupov, avec leur emblème, là, c'est ce qu'on trouve à Saint-Pétersbourg, là au-dessus de la porte d'entrée du palais Yusupov. Donc il y a la mère, Zinaïde. Le prince Félix Yusupov avec sa femme Irina, qui était donc la nièce de Nicolas II, et leur fille Irina, le même prénom que la mère, et le comte Cheremetiev, qui était le mari d'Irina. Alors, vous voyez, la tombe, elle est simple. Hein, c'est quand même Yusupov, c'est quand même des gens qui avaient énormément d'argent, mais la tombe est restée très simple, très sobre. Pardon. Alors, bon, quelques informations. Zinaïde, donc là, c'est un tableau de Flamingue, et je ne sais pas si vous voyez, mais ici, il y a une très grosse perle. Et à l'époque, c'était la plus grosse perle du monde. Et bon, elle avait énormément de moyens, Zinaïde, donc c'était un de ses bijoux favoris. Là, les parents de Yusupov, donc entre ça, la mère et son père, qui lui n'est pas enterré là. Voilà, Félix avec sa femme, la princesse Irina de Russie, qui était une très belle femme. Et alors, ça, ce sont des photos que personne n'a jamais vues. Vous êtes les premiers à les voir. Ce sont les obsèques de Félix Yusupov. Alors, j'y étais, c'est dans septembre 67, et ça ne rajeunit pas. J'étais avec mon cousin photographe de presse et on a pu faire des photos. Et ce que je vous montre, personne ne les a jamais vues. Je ne vous montre pas toutes les photos qui ont été faites ce jour-là, mais les plus importantes. Donc ça, c'est devant l'église, hein, vous reconnaissez. Ensuite, c'est devant la fosse où Yusupov était enterré. Là, vous voyez Irina avec sa fille là, qui est à droite. Là, le prêtre, c'est le prêtre Obolensky, le mari de Vera Obolensky, voyez. Et là, vous avez la petite fille de Yusupov, Xenia Sfiri, qui au jour d'aujourd'hui habite à Athènes. Elle avait 19 ans à l'époque. Là, bon, c'est quand les personnes de la famille mettent de la terre de Russie, jettent de la terre de Russie. Alors, il y a d'autres personnages sur les photos, mais s'il y a des personnes qui les reconnaissent, je serais intéressé de savoir, parce que je ne sais pas du tout qui sont les autres personnes. Là, c'est la petite fille de Yusupov qui met de la terre dans la fosse. Et là, voilà. Alors là, on voit bien la princesse Irina. Et je me rappelle très bien, elle était toute petite, mais très humble, très. Vraiment, elle m'a vraiment impressionné. Là, cette personne, je ne sais pas qui est. C'est peut-être une grande duchesse, mais je ne suis pas sûr. Alors je vous dis, hein, s'il y a des gens qui savent, je serais intéressé pour le savoir aussi. Alors ça, c'est une photo que j'ai faite chez Xenia Xfiri, la petite fille de Yusupov. Et on voit les quatre générations. Irina, la femme de Yusupov, la fille Irina, donc la fille de Yusupov, Xenia et Tatiana, la petite fille
de Xenia. Alors, il y a une autre rubrique qu'on n'avait pas mis dans le premier livre, c'est les chauffeurs de taxi. Alors voilà, c'est une zone, c'est une concession qui a été achetée par une compagnie de taxi. Alors, je ne m'en souviens plus du nom, mais ce n'est pas très important. Et là, on voit un exemple de taxi dans les années 20-25. Et ça ressemblait au fiacre, en fin de compte, parce que le chauffeur, il était dehors, il n'avait pas de toiture quand il pleuvait, il recevait la pluie, alors que les passagers étaient à l'abri. C'est exactement comme dans les fiacres. Mais bon, ça, ça n'a pas duré longtemps, heureusement pour le chauffeur. Voilà, alors dans les danseurs, alors maintenant on va attaquer par rubrique dans les danseurs. Alors ça, c'est le plus beau tombeau, c'est celui de Rudolf Nureyev, hein, vous connaissez tous. Alors, c'est une mosaïque, elle n'a pas été construite tout de suite, elle a été construite 3 ans après le décès. C'est une mosaïque qui a été faite en Italie par une société qui s'appelle Aconema, et c'est le directeur artistique de l'Opéra de Paris qui était ami avec Nureyev, qui s'appelait Enzo Frigerio, qui a conçu ce monument. Alors, une petite anecdote, c'est qu'avant qu'il y ait ce monument, il y avait une dame qui venait régulièrement, hein, presque tous les jours, se recueillir devant la tombe. Elle était toujours habillée en noir, était toute menue, toute maigre. Quand des gens arrivaient pour voir l'emplacement, elle se poussait, les gens partaient, elle se remettait en place. Et bon, elle était connue à la mairie, elle se faisait enfermer dans le cimetière et elle dormait sur la tombe. Alors j'ai fait des recherches et je crois, mais ce n'est pas sûr à 100%, que c'était l'habilleuse en fait de Nureyev qui l'aimait beaucoup. Voilà. Donc il y a un détail de la tombe de Nureyev, c'est bien, c'est beau. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent et qui prennent des petits morceaux de céramique et que malheureusement, pour faire la réparation, eh bien, il faut faire appel à Konema qui se déplace. Je crois qu'ils sont à Milan. Voilà. Alors, une autre danseuse, hein, Olga Prevozhenskaya, qui était la première ballerine des théâtres impériaux de Russie. Vous voyez, elle a une très belle tombe. C'est une photo en 2005, mais malheureusement, ben maintenant, la tombe, elle n'est plus entretenue. Il y a quand même pas mal de tombes comme ça, des personnages célèbres qui ne sont plus entretenus. Je vous en montrerai d'autres, et ça, c'est un petit peu dommage. Ensuite, voilà les élèves que Olga a formés, proche basitaire, dont là, je vous laisse lire. On y retrouve Nina Viroubova, qui elle aussi est enterrée au cimetière de Sainte-Geneviève. Bon, Liffard avec sa compagne, je crois qu'il n'était pas marié, qui s'appelait Lila Alfeld. Et une petite anecdote encore, Nureyev, avant de mourir, il avait dit « Bon, je veux être enterré au cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois, mais je veux être… » on comprendra pourquoi après, je vais être enterré le plus loin possible de Serge Liffard, parce que je pense que leur relation n'était peut-être pas toujours très bonne. Donc, c'est un peu ce qui a été fait. Et une précision que je n'ai pas dit tout à l'heure, la tombe de Nureyev est dans un angle de la partie orthodoxe. Il n'est pas mis au milieu des orthodoxes, il est juste à la limite dans un angle. Pourquoi? C'est parce que Nureyev était musulman. Alors, Serge Liffard, voilà. Ah oui, Liffard, paraît-il, a été quelqu'un qui avait toujours des besoins d'argent. Donc, un jour, il a organisé une vente en Angleterre pour vendre des lettres de Pouchkine qu'il avait chez lui. Et il s'est rappelé que quelques années auparavant, il avait eu de la part d'une danseuse qui avait besoin d'argent parce que beaucoup de danseuses étaient dans la pauvreté. Il lui avait acheté un costume de scène. Bon, il l'avait mis de côté, il s'en est rappelé, et donc avant de démarrer la vente aux enchères là, en Angleterre, il a fait expertiser le costume, et en fin de compte, il a eu bien fait parce que c'était un costume qui avait été dessiné par Picasso. Et donc, c'était pour le ballet Parade qui avait lieu en 1917, et Picasso a fait tout, il a fait tous les costumes, les décors, et le rideau de scène, vous voyez, qui était quand même assez grand, 10 mètres par 18 mètres. Et la vente avait eu lieu chez Sotheby's à Londres. Et donc, c'est bien entendu, c'est le costume qui a été vendu le plus cher par rapport à l'aide de Pouchkin. Une autre danseuse qu'on connaît moins, c'est Vera Trefilova, qui était aussi une première ballerine des ballets Mariinsky. Une autre, on en a parlé tout à l'heure, Nina Viroubova, qui était danseuse étoile, mais qui, elle, malheureusement, a fini dans la pauvreté. Hein. Et alors, d'après ce que je sais, mais bon, ça demande d'être vérifié, mais il semblerait qu'elle était tellement pauvre que c'est même pas la famille qui a payé le monument, mais l'Opéra de Paris. Bon, je dis ça sous réserve. Hein. En littérature, vous avez Bounine, tout le monde le connaît, c'est un prix Nobel de littérature en 1938, je crois. Il est enterré donc dans ce cimetière avec sa femme, Vera, je crois qu'elle s'appelait Vera.
Ensuite, vous voyez, quand Poutine était venu en novembre 2000, il était venu se recueillir sur la tombe, entre autres, sur la tombe de Bounine, sur la tombe de Vera Obolensky et d'autres. Et là, comme par hasard, j'étais là. Donc, je ne suis pas sur la photo, mais j'étais là. C'est vraiment par hasard. Hein. Et puis, un autre qui est très connu, hein, Shmuelev. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les noms russes, je ne prononce pas très bien. Et donc, Shmuelev était enterré à Saint-Geneviève dans cette tombe. Bon, lui, il a été transféré à Moscou, au monastère de Donskoï. Et maintenant, il est là-bas. Ça, c'est une photo que j'ai faite quand j'étais là-bas. Et donc, la tombe où il était à Saint-Geneviève a été cassée. Hein. Vous avez aussi une très belle tombe, celle de comment Merezhkovski. Pourquoi on ne voit pas là bon. Et avec sa femme, Zinaïde Gippius. Et là, on voit une représentation de la Trinité, c'est-à-dire le tableau qui est au musée Tretiakov, hein, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors là, il est très connu lui aussi, c'est Victor Nekrasov, qui était au début vécu en Union soviétique. Bon, il n'a pas pu y rester. Il a fait de nombreux films. Non, je confonds avec le suivant, excusez-moi. Et il a fait un livre qui s'appelle, vous l'avez en bas, là, ça s'appelle le Stalingrad, sur les pavés de Stalingrad, parce qu'il n'y a plus très bien du nom en français. Mais ça raconte le siège en fait, de Stalingrad qu'il a vécu quand il était là-bas. Là, ce petit monsieur là, avec la barbichette, c'est Nikita Strub, qui était le directeur là, des éditeurs réunis, c'est une librairie russe à Paris, qui existe toujours, et il était très ami avec Solzhenitsyn, et c'est d'ailleurs dans cette librairie que Solzhenitsyn a pu faire paraître son premier livre. Tefi, une autre écrivaine, qui est enterrée là, qui est la sœur en fait, du général Lodnitsky, on va le voir un peu plus loin. Gazdanov, alors là c'est une tombe assez originale, c'est comme un gisant, on appelle ça un gisant en français, là en France. C'est une très belle tombe. Il a été chauffeur de taxi, comme il avait du temps, il a écrit. Il s'est mis à écrire, puis ça a marché, il a écrit énormément, enfin énormément, ça a vu aussi, qui ont très bien marché. Les militaires, je vais assez vite, hein, excusez-moi, mais j'ai eu beaucoup de choses à vous montrer, à vous présenter. Donc, le monument où sont enterrés des Russes qui sont morts sur le sol français, qui sont morts pour la patrie, pour la France. Et c'est un monument qui a été créé par la baronne, je crois, von Kugelberg, à la mémoire de son fils, et avec tout un tas d'autres militaires qui sont morts sur les champs de bataille. Hein, là, on retrouve les plaques de ces deux personnes. Voilà une photo d'ensemble. Et là, il y a deux personnes très connues qui sont là. Bon, c'est à titre de souvenir parce qu'elles ne sont pas enterrées là, il n'y a simplement qu'une plaque. Voilà. C'est celle de Vicky. Hein. Alors, contrairement à ce qu'est Vicky, donc, elle a fait de la résistance en France, elle a été arrêtée, elle a été faite prisonnière, elle a été emmenée au camp de Plötzensee en Allemagne. Et contrairement à ce qui est écrit sur la plaque, elle n'a pas été fusillée, elle aurait été, on lui aurait coupé la tête. Et je crois même que c'est ça un coup de hache, parce qu'il semblerait qu'au début, à Plötzensee, les femmes, hein, c'était réservé aux femmes, on leur coupait la tête. Ensuite, eh bien, voilà, ça c'est tout récent, c'est à peu près 6-8 mois, je ne sais plus. C'est donc la mère Marie Sotsovka, qui elle aussi a un parcours remarquable et qui s'est dévouée, qui s'est sacrifiée en fin de compte. Elle était au camp de Ravensbrück et un jour il y a un convoi de femmes qui partait se faire brûler en fait. Hein, et elle a pris la place d'une des femmes pour que la femme puisse rester en vie et c'est elle qui est partie à sa place. Et c'est pour ça que maintenant, elle a été béatifiée, elle est sainte, Sainte Mère Marie, et donc elle a bien été exécutée par les nazis dans le camp de Ravensbrück, à la place d'une autre femme. Et puis là, c'est pour l'anecdote, c'est, vous connaissez peut-être la famille Gagarine. Gagarine, ce n'est pas le cosmonaute, hein. C'est la famille de Masha Meril. Et ça, c'est son demi-frère, hein, le prince Gagarine. Voilà, et Poutine, le président Poutine était venu aussi déposer des fleurs. Alors, c'est toujours des œillets hein, que les Russes déposent, je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours des œillets. Et donc, c'était le 1er novembre 2000, et je vous dis, j'étais là par hasard. Alors, il y a un carré militaire, il y en a plein des carrés militaires, il y en a 7 ou 8. C'est celui du général Alexeïev. Alors, en principe, les carrés, les tombes sont identiques, sont entourés d'une chaîne ou de tubes, comme ça. Et il y a souvent un monument central. Donc ça, c'est celui en mémoire du général Alexeïev qui, lui, n'est pas enterré là. Là, la Légion étrangère. Alors là, il y a trois personnages intéressants. Il y en a peut-être un peu plus, mais il y en a au moins trois. Il y a d'abord le général Piechkov.
Piechkov, qui en fait était le fils adoptif de Maxime Gorki, parce qu'en fait Gorki, son vrai nom c'était Piechkov, et lui il a repris le nom de son père adoptif. Et également dans la même, il est là, Piechkov, et avec lui il y a le mari de Vera Obolensky, hein, on en a parlé tout à l'heure. Et là, sur la gauche, il y a le père des sœurs Poliakov. Voilà, les sœurs Poliakov, c'est Marina Vladi et ses sœurs, on va en parler un peu plus loin. Voilà, le général Piechkov, qui lui a fait la guerre 14-18, il a perdu son bras à la première guerre, il a fait la deuxième guerre, il est devenu ami avec le général de Gaulle, il a été nommé pour des missions diplomatiques, souvent au Japon. Hein. Le carré des Cosaques, avec ici la tombe du général africain Bogaïevski. Là, c'est un grand carré militaire. Là, il est entouré de chaînes. Alors, quand on dit carré militaire, une précision, c'est pas forcément le militaire tout seul. C'est aussi avec sa famille. Ça peut être sa femme, ça peut être ses enfants, ça peut être ses arrière-petits-enfants. C'est la famille. Là, le corps des cadets russes. Là, bon, bah, ce sont les écoles qui formaient les. C'était réservé en fait aux gens, aux garçons de l'aristocratie, de façon à faire une espèce de préparation pré-militaire. Et là, vous avez sur chaque, enfin pas sur chaque tombe, mais sur pas mal de tombes, vous avez des choses comme ça. Ça s'appelle des pattes d'épaule. Et en fin de compte, c'est pour indiquer à quelle école des cadets russes la personne qui est enterrée faisait partie. Hein, là, des exemples, hein, mais il y en avait une vingtaine, je crois, de pattes d'épaule différentes. Et on retrouve tout ça sur les tombes. Le monument de Gallipoli, qui en fait est une réplique de celui qui avait été construit à Gallipoli, mais qui s'est effondré dans un tremblement de terre. Bon, depuis, il a été reconstruit. Je crois que j'ai une diapo après qui nous montre le nouveau. Et là, il y a une plaque souvenir hein, du général Koutiepov. Voilà, ça c'est le monument qui était là-bas en Turquie, hein, c'est Gallipoli en Turquie, donc à l'origine, qui s'est retrouvé enseveli dans un tremblement de terre. Il a été reconstruit, maintenant c'est celui-là, mais c'est beaucoup plus grand que ce que l'on a à Sainte-Geneviève. Hein. Là on ne se rend pas compte, mais c'est énorme. Moi je ne le connais pas, mais il est énorme. Alors là c'est intéressant, c'est le carré militaire du général Drozdovski. Et là c'est pareil, si quelqu'un là, parmi ceux qui nous regardent sait pourquoi on avait ce monument à l'époque, au tout début. Il a été remplacé, je comprends pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, personne n'a su me le dire. Maintenant, c'est celui-là. Vous voyez, on a changé toute la base et la tête du monument, la stèle du monument, ce n'est pas la même. Pourquoi, je ne sais pas. Alors, et puis après, il y a des militaires qui ne sont pas dans les carrés, qui sont dans les tombes individuelles, comme le général d'armée Chatilov. L'attamant du Don, donc, c'était le chef en fait, des Cosaques hein, du Don. Hein, il a été de 1916 à 1917. Le général von Graben, qui était comte aussi. Et là, c'est une photo qui a été faite à l'intérieur de la maison russe, qui date donc de l'album qui date de 1928. Et là, on voit le général de brigade, Jelita Bilkovski. Et là, on ne voit pas bien, mais là, ici, j'ai vu à la loupe, c'est Vera Mercherski. Alors, Igor Krivoshen, qui était un grand résistant, qui est donc enterré à Sainte-Geneviève, ça, grâce à son fils Nikita, j'ai pu avoir une photo, j'ai pu avoir tous les éléments biographiques. Et comme ça, je suis sûr de la source, puisque c'est le fils qui l'a réalisé. Là, vous voyez, on en a parlé tout à l'heure avec Téfine, ça c'est son frère, le général, c'est caché, on ne peut pas enlever ça, là. Non. Là. Bon, Lodvisky, le général Lodvisky, donc qui était le général d'infanterie, commandant en chef du corps expéditionnaire russe sur le front français à partir de 1916. Voilà. Alors la tombe, oui, je ne vous ai pas dit, la tombe au début, elle était comme ça, et puis c'est grâce à la Fédération de Russie que le monument a été changé et maintenant il est beaucoup plus beau. Il est comme ça, voilà, c'est une autre allure, et c'est grâce à la Fédération de Russie, c'est eux qui sont occupés de faire changer la pierre tombale. Là, c'est pareil, c'est un personnage important surtout pour les légionnaires d'une caserne qui se trouve vers Marseille. C'est la comtesse du Luard, qui était née à Gondokov, qui s'était mariée avec le comte du Luard. Le Luard, c'est une région de la Sarthe. Et elle a beaucoup œuvré pour les légionnaires de cette caserne, pour exactement le premier régiment étranger de cavalerie, où elle a monté des antennes médicales sur les champs de bataille. Elle a aidé
les légionnaires, par exemple, si un légionnaire avait des problèmes d'argent, il allait la voir, elle a toujours aidé, mais jusqu'au bout. Et ce qui fait qu'elle a été nommée brigadier chef d'honneur, c'est quand même exceptionnel pour une femme. Voilà, ça c'est l'intérieur, sous la chapelle, il y a trois zones, donc il y a la comtesse, il y a son fils, et un compartiment qui est libre. Là, bon, pour y descendre, il y a un escalier de chaque côté, et je crois que la décoration a été faite par, et le bâtiment par lui-même, la chapelle, a été faite par Benoît, et avec sa femme, Marguerite. Voilà, bon, ça, c'est une cérémonie qui a lieu tous les deux ans. Là, il y a un détachement de la Légion étrangère qui vient le jour de sa mort, le 21 janvier, une année sur deux, et il y a quelques descendants de la famille. Là, vous avez Vladimir Akhondokov, qui était le neveu de la comtesse du Luard, qui était aussi d'ailleurs le filleul de la comtesse du Luard. Là, vous voyez le comte du Luard qui était, pendant un moment, il était au Sénat, je crois, il était un des vice-présidents. Non, il est là. Et puis les légionnaires, alors ça peut être des anciens, ça peut être des nouveaux. Et là, la décoration intérieure. La marine. Donc, alors là, bon, j'en ai pris comme ça un officier mécanicien qui s'appelait Fedorov. Qui faisait aussi des icônes, parce qu'il a dû faire l'icône de la chapelle de la maison russe, avec son bateau, là, sur lequel il est officier, le cuirassé de Tsarevitch. Vous avez, ça c'est intéressant, c'est Merkouchev, c'était le commandant d'un sous-marin. Sous-marin Okun, c'était beaucoup plus petit les sous-marins à l'époque. Ensuite, vous avez Sabline, qui était lui commandant, qui officiait ce contre-amiral du yacht impérial du Tsar, hein, Nicolas II. Un très grand bateau, a priori. Des musiciens comme Galitch. Alors, Galitch est constitué du G de Ginsburg, c'est son vrai nom, Ginsburg, Al d'Alexandre et Itch de Arkadievitch. Donc, ça a formé Galitch. Alors, lui, c'était un chansonnier. Bon, il était en Union soviétique, mais bon, il a peut-être poussé, enfin, il a peut-être été un peu loin. Et on lui a demandé de quitter l'Union soviétique. Il a été obligé de quitter et donc s'installer en France. Et il est mort en France. Vous avez ensuite Yoshka Nemeth, qui lui était un grand violoniste tzigane. J'avais un enregistrement là ici, mais ça ne marche pas. Alors, je peux pas vous faire écouter l'enregistrement, un extrait de ce qu'il pouvait jouer. Vous voyez, on retrouve le violon sur sa tombe. Voilà, j'ai fait un gros plan. Alors là, c'est André Reveliotti. Alors, je ne connais pas bien ses accointances russes, orthodoxes. Parce qu'il n'a pas vraiment un nom russe, mais il est quand même enterré dans la partie russe. Et en fait, c'était un clarinettiste et un chef d'orchestre, mais surtout clarinettiste, qui jouait beaucoup avec Sidney Bechet. Et il jouait au caveau de la... Au caveau de la Huchette, c'était, entre autres. Hein, c'était là le principal endroit où il jouait du jazz. Hein, c'était du jazz. Là, vous avez la famille Tcherepnine, le père et le fils qui étaient compositeurs de musique. Des peintres, alors Korovine. Alors Korovine, pour moi, c'est le plus grand peintre impressionniste russe. Vous voyez, il a fait des tableaux vraiment sublimes, vraiment très très beaux. Alors là, pareil, vous voyez la tombe, là, elle était très belle à une certaine époque, et maintenant elle est complètement abandonnée, malheureusement. Et je ne sais pas pourquoi, parce que théoriquement, il y a un contrat d'entretien, mais bon, ça fait partie des mystères. Vous avez ensuite son fils, Alexis Korovine. Mais là, bon, je n'ai pas tellement d'informations sur lui, je ne le connais pas bien, j'ai simplement trouvé une illustration, mais il est enterré avec son père. Alors, là, on a la famille, une bonne partie de la famille Serebryakov. Alors voilà, la famille Zinaïde avec ses quatre enfants. Un exemple de tableau qu'elle a pu faire, donc c'est celui de Irina, la femme de Yusupov. Un autre tableau où on voit ses trois enfants. Là, Catherine n'est pas sur le tableau. Hein. Son fils Alexandre, qui fait l'objet d'ailleurs d'une expo actuellement au Quai Branly. C'est la deuxième exposition d'ailleurs sur les tableaux qu'il a pu faire quand il était en France. Et c'est surtout, enfin pour la première, la deuxième j'ai pas vu, mais la première c'était surtout des tableaux qui ont été faits dans Paris, dans le Paris des époques 40-50. C'est vraiment intéressant, je vous conseille de voir la deuxième, moi je vais le faire. Voilà un exemple, il faisait des tableaux d'intérieur. Hein, voilà, ça c'est un exemple voilà, de tableau de Paris, vous voyez, rue Mouffetard 1931. C'est intéressant parce que là on peut voir l'évolution de la ville entre ce que c'était en 31 et 70 ou 80 ans plus tard. Elle est belle cette peinture. Ah oui, une belle peinture. Et alors là, voilà, là c'est Catherine Serebryakov. Alors là, moi
c'est une personne que j'ai eu la chance de connaître, que j'ai rencontré plusieurs fois chez elle, qui n'était pas facile, qui avait du caractère. Quand on arrivait chez elle, il fallait d'abord boire le thé, et après on discutait, mais qui a toujours été très gentille avec moi et qui a, je lui ai demandé de poser devant un tableau, vous voyez, qui a été peint par sa mère 70 ans avant. Donc, entre le tableau et Catherine, il y a 70 ans qui sont écoulés. La même personne. Et c'est la même personne, oui. Et Catherine, quand je la rencontrais, elle habitait à Paris, l'arrière-petite-nièce habite toujours au même appartement, elle avait toujours la même tenue, vraiment. Et elle peignait des trucs très fins, des tableaux, des natures mortes. Elle aidait son frère aussi pour faire des petits détails là, dans les intérieurs d'appartements. Et en fait, quand on regarde bien, elle s'est sacrifiée pour sa mère, elle s'est sacrifiée pour que sa mère puisse travailler dans de bonnes conditions, qu'elle n'ait pas de problème d'intendance, de ménage, de cuisine. Et c'est Catherine qui l'a fait, alors qu'elle aurait pu avoir un parcours complètement différent. Voilà, donc ça c'est chez elle, dans l'appartement qu'elle avait. Voilà, un exemple, ça ne rend pas très bien, mais ça c'est un exemple de tableau qui est fait par Catherine. Et vraiment, elle faisait des choses... très bonne qualité, très fin. Ensuite, au niveau peinture, vous avez le père et le fils de Budzinski dans une tombe qui est assez originale. Là, je passe un peu plus vite. Hein. Donc, le père, Rostislav, ça, c'est plutôt à droite. Le fils, lui, était plus orienté sur des masques pour les opéras, comme ici celui de La Belle au Bois dormant. Et lui, le père, c'était plus des tableaux devant la Harlem. Ou ça peut être d'autres endroits. Là, Poliakov, c'était un peintre qui faisait des peintures relativement modernes. Je crois que j'en ai... Voilà. Alors, au début, c'est un peu comme Picasso. En fait, il a commencé par faire des choses assez représentatives, on pouvait reconnaître les choses, et puis il a évolué. Et petit à petit, il s'est orienté sur des tableaux comme ceux-ci, qui ont tous le même nom. Ça s'appelle tous composition abstraite, et il en a fait des dizaines, des centaines, je ne sais pas exactement, jusqu'à sa mort. Ensuite, Somov. Alors, Somov, voilà sa tombe. Lui, il est exposé j'ai vu ses tableaux à Saint-Pétersbourg. Ce n'est pas l'Ermitage, c'est surtout au musée russe. Et voilà, il faisait des tableaux de ce genre, voilà, comme Rachmaninov, Oiseau de feu. Alors, ça, c'est pour vous donner une idée de la valeur de ces tableaux. Ouais. Ce tableau a été vendu 10 millions d'euros en 2007 chez Christie's. Parce que bon, il est a priori assez connu sur le marché de l'art. Alors, les Romanov, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a quatre dans le cimetière. Enfin, quatre, oui. Le grand-duc André, attendez, j'ai besoin de notes là. Attendez, excusez-moi. Alors, André, il est là. Alors, le grand-duc André, c'était l'arrière-petit-fils du tsar Nicolas Ier. C'était le neveu d'Alexandre III, il était général-major et le quatrième fils du grand-duc Vladimir Alexandrovitch et de Marie de Mecklembourg. Alors, il a fait des études de droit, ce qui l'a fait considérer comme le juriste de la famille Romanov. Il est enterré avec sa femme, qui est une danseuse, qui s'appelait Mathilde Kchesinskaya, qui, par un oukaz, je crois, du tsar, a pu porter le titre Maria Felixovna Romanovsky-Krasinski. C'est ça, c'est après le mariage. Et dans cette tombe, il y a également leur fils, Vova, je crois, son petit nom, diminutif. Et sur le côté, ça, on ne savait pas, mais... attendez, je cherche la souris, elle est là. Sur le côté, vous voyez, ici, on ne voit pas, mais sur le côté, il y a deux noms qui sont gravés. Et on nous a dit que dans les grandes familles, il y avait des nourrices qui s'appelaient les Nyanya, et que souvent, pas toujours, mais souvent, les Nyanya étaient enterrés avec la famille. Et c'est le cas pour cette tombe. Alors voilà, Mathilde Kchesinskaya avait un très bel hôtel particulier à Saint-Pétersbourg, donc, qui a été construit dans les années 10 ou 15, quelque chose comme ça. On la voit ici avec son fils Vova. Et là, à la fin de sa vie, elle avait presque 100 ans quand elle est morte. Elle avait 99 ans. Hein. Très belle femme. Là, un autre Romanov, c'est le grand-duc Gabriel Konstantinovich Romanov, avec sa femme, qui était aussi une danseuse, qui s'appelait Antonina Nesterovskaya. Et lui, le grand-duc Gabriel, c'était l'arrière-petit-fils de Nicolas Ier, le deuxième des fils du grand-duc Constantin,
Et il est né au château de Pavlovsk, à côté de Saint-Pétersbourg. Alors, il portait bien son nom, Grand Duc, qui était très grand, il faisait 1,97 m. Il s'est orienté sur une carrière militaire et à 19 ans, il est nommé major au régiment des hussards de la garde. Il s'est marié en 1917 à Saint-Pétersbourg avec la ballerine Antonina Nesserovskaya. Ils sont installés à Paris en 1920 et se sont fait enterrer dans ce cimetière. Dans les sciences, vous avez toute la famille Rabouchinsky. Alors, j'ai dit sciences, mais en fait, quand on regarde bien, il y a le seul scientifique, en fait, c'est celui-ci, que je ne retrouve pas aussi, voilà. Ici, vous avez à gauche Vera, qui était critique musicale et femme de lettres, qui était aussi demoiselle d'honneur de leur majesté les impératrices de Russie, qui était donc la femme de Dimitri Pavlovitch, qui est au milieu, qui lui était ingénieur en aérodynamique, et c'est lui le fondateur de l'Institut aérodynamique de Kouchino, qui est près de Moscou, ça a été créé en 1904. Et là, la dernière personne, c'est Maria, leur fille, qui était artiste peintre. Et je ne vous ai pas dit, mais ici, là, c'est le masque mortuaire de leur fille, donc de Maria. Alors, pour Koudingorsky, ça, vous voyez, c'est l'exemple de tombe que quand on a fait notre inventaire de tombe là, il y a une quinzaine d'années, bon, bah, pour Koudingorsky, on ne connaissait pas, il n'y avait rien de précisé sur la plaque, on n'a pas retenu. Et j'ai eu la chance un jour de discuter avec son petit-fils, qui m'a expliqué qui il était. Et c'était un photographe qui avait inventé un procédé de photocouleur. Alors bon, c'était assez artisanal, hein. C'est un appareil de ce type où il y avait trois filtres de trois couleurs. Voilà, vous aviez un vert, un bleu, un rouge, et quand on superposait c'était des plaques de verre, et quand on superposait les trois plaques, on obtenait ce qu'on voit à droite. Mais je peux vous garantir que les photos qui ont été faites par ce monsieur, elles sont d'une finesse extraordinaire. Au jour d'aujourd'hui, avec les photos même sur des définitions très élevées, on ne fait peut-être pas mieux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, quand il était un peu connu, le tsar l'a fait venir au palais et il lui a demandé de faire des photos dans toute la Russie, sur le folklore, sur les usines, sur les traditions, sur les personnages. Et c'est lui, pour Koudingorsky, qui a réalisé la première photo couleur de Léon Tolstoï dans sa maison de Isnaïa Poliana en 1908. C'est la première photo couleur de Léon Tolstoï. Voilà, une usine hydroélectrique au Turkménistan. Alors, vous voyez, là, bon, on ne se rend pas bien compte, mais la photo est hyper nette, hein, est très, très nette. Celle-là, c'est très bien aussi. Il a photographié l'émir de Boukhara. Là, bon, bah, c'est dans les villages. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit comment les gens vivaient à l'époque, comment ils étaient habillés. Enfin, vraiment, il a fait des reportages photos comme on fait maintenant, mais il a fait, au total, il a dû faire 3000 photos. Bon, sur les plaques de verre, malheureusement, il y en a beaucoup qui ont été perdues. Et le peu qui reste, c'est aux États-Unis. Un autre scientifique, c'est Chichi Babine, Alexis, qui était biochimiste et fondateur de l'industrie chimico-pharmaceutique en Russie. Et il est arrivé en France, il a collaboré à l'Institut Pasteur, où il a réalisé des travaux sur le sulfamide, qui est un composé organique utilisé pour ses propriétés antibiotiques dans la préparation des médicaments. Et donc, une de ses découvertes porte le nom de la réaction de Chichi Babine. Et j'ai appris il n'y a pas très longtemps, ça date de la semaine dernière, que Chichi Babine aurait fait partie des généreux donateurs, et ce qui a permis d'aider à la construction de la chapelle de la Dormition. Il y en a eu d'autres, mais lui, il aurait été un très gros donateur. Et je sais que depuis quelques jours. Des sculpteurs. Alors, bon, Pevsner, bon, c'est particulier, c'est le... comment dire, c'est celui qui a créé le constructivisme avec son frère Noam Gabo. Et là, sur la tombe, vous voyez, c'est une sculpture qu'il a réalisée et qui s'appelle Le Dernier Élan. Alors, des sculpteurs iconographes, vous avez, ben, il est très connu, Uspensky, qui a réalisé entre autres des icônes, mais aussi pratiquement la totalité des croix sculptées du cimetière. Il a réalisé 12 sur les 13 ou 14 de qu'il y a dans le cimetière. Il y a donc de très belles croix où on trouve tout un tas de symboles comme la Trinité, comme la Mère Marie, le crâne du Golgotha, enfin, tous les symboles y sont.
très belle croix. Et l'autre iconographe connu, je pense, Stelski, qui lui n'a fait que surtout des icônes, un peu de sculpture, mais très peu. Voilà un exemple de ce qu'il a pu réaliser. Et voilà une sculpture, enfin pas de sculpture, mais c'est une sculpture, un bronze qu'il a réalisé. Des gens du spectacle, alors vous devez connaître Alyosha, enfin peut-être, qui en fait, voilà, qui est enterré. Enfin, lui, il est dans une tombe individuelle, et là, ce sont ses sœurs. Deux, il avait trois ou quatre sœurs. Il y en a deux qui sont enterrées à Sainte-Geneviève, Maroussia et Valia. Et si je reviens en arrière, vous avez dû apercevoir la photo de Yul Brynner, c'est un acteur de cinéma très connu, et qui était un fan, vraiment, il était en admiration devant la musique de Zigan. Et eh bien, il accompagnait Alyosha dans ses spectacles assez souvent. Et donc, c'était très, très lié tous les deux. Et donc, Yul Brynner. Voilà. Un autre, Evreinov, c'est qui était un metteur en scène. Et il s'est installé à Paris en 1925. Et là, il a réalisé 9 pièces de théâtre. Et en 1947, il est l'auteur d'une histoire du théâtre russe. Alors, ça, c'est la tombe du quatuor Kedrov. Donc, avec Nicolas, c'était le chef du quatuor. Donc, Nicolas était le fondateur et le chef de chœur et le baryton. Et il est un des fondateurs du conservatoire russe Rachmaninov à Paris. Vous avez ici sa fille qui s'appelait Elisabeth Kedrova. Et moi, je ne la connaissais pas, mais j'ai eu l'occasion de la découvrir dans un film qu'elle a tourné qui s'appelle Zorba le Grec. Et elle joue un rôle extraordinaire qui lui a valu d'ailleurs une récompense cinématographique. Elle joue très très bien dans ce film, c'est très émouvante. Bon, elle a un accent un petit peu prononcé, mais si vous n'avez pas vu ce film, je vous le conseille. Un autre, Mojoukin. Alors lui, Mojoukin, c'est l'histoire d'un acteur, en fin de compte, du cinéma muet, mais qui, donc ça a été une des premières vedettes du cinéma russe en muet. Il s'est installé en France après la Révolution, mais malheureusement, il avait un accent tellement fort, tellement important, qu'il n'a pas pu, quand le cinéma est passé au cinéma parlant, ça n'a pas marché, et donc il n'a pas pu continuer sa carrière, il est mort dans la pauvreté. Voilà un exemple de ce qu'il faisait en 1927, à Filmamé, donc Casanova, où il était réalisateur Alexandre Volkov, de la famille de Constantin, je ne sais pas. voilà, il y a d'autres personnes donc du spectacle, du monde du spectacle, les sœurs Poliakov. Alors, donc, ce sont toutes les sœurs de Marina Vladi, Olga Varel, Hélène Vallier, Odile Versois et Marina Vladi. Marina Vladi qui est ici. Alors, vous avez remarqué, Odile Versois, elle a fait des films, c'était une actrice de cinéma. Hélène Vallier, c'était surtout une actrice de théâtre. Bon, Marina Vladi, bon, elle n'est pas décédée, hein, mais elle a fait aussi des films, elle a fait surtout des films. Et puis Olga Varenne, qui a travaillé dans le cinéma, mais qui n'a jamais fait de film, mais elle était derrière la caméra. Alors, vous remarquerez que les noms commencent par V. Alors, moi, j'avais lu au début que c'était pour le V de la victoire. J'ai eu la chance de rencontrer Marina Vladi, qui m'a expliqué non, pas du tout. Hélène Vallier, c'est parce que le premier rôle qu'elle a joué au théâtre, c'était le rôle de Madame Vallier. Odile Versois, c'est parce qu'il y a une région en Suisse qui s'appelle le Versois. Et elle, Vladi, c'est parce que son père s'appelait Vladimir. Par contre, pour Olga Varenne, elle ne me l'a pas dit, donc je ne sais pas le dire. Alors voilà la tombe. Alors un exemple de film tourné par Hélène Vallier, L'adieu aux enfants, avec des affiches, quelques affiches, je n'ai pas. Ensuite, Odile Versois, qui était elle aussi donc, actrice de cinéma principalement, avec quelques exemples. Alors, pardon, Marina Vladi m'a écrit, elle ne m'a pas dit, mais elle m'a écrit que Olga Varenne, elle est morte il y a une dizaine d'années, elle a été incinérée, elle habitait vers Alençon, je crois, enfin, ou Normandie, je ne sais plus très bien. Elle a été donc incinérée, et elle m'a dit que les cendres, une partie de cette cendre avait été déposée sur la tombe, sur la terre. Bon, c'est possible, je ne sais pas. Alors, Topalov, alors bon, tous les Français le connaissent. Hein. C'était un amuseur, c'était
un gars qui faisait des chansons qui n'avaient pas tellement de sens, mais qui amusaient tout le monde. Un certain banc. Voilà, c'est ça, il a raison, Pascal. Ouais. Donc, comme j'ai bien mangé, j'ai bien bu, enfin, c'était vraiment des chansons un peu ras des pâquerettes, comme on dit en France. Et vous voyez, pendant une époque, il y avait une bouteille de champagne sur sa tombe parce que c'est quelqu'un qui aimait bien faire la fête. Mais il a eu un gros problème, c'est que, en fin de compte, pendant un moment, ça marchait très bien pour lui, donc il gagnait beaucoup d'argent. Mais entre-temps, ça n'a plus marché pour lui, il gagnait plus d'argent, mais il avait divorcé. Et donc, il devait payer une pension alimentaire à sa femme qui était basée sur les revenus qu'il avait quand il gagnait beaucoup d'argent. Et il a même été SDF. Alors, heureusement, sur la fin de sa vie, il a été repris par un groupe qui faisait des tournées une fois par an. Et c'était un groupe d'anciens chanteurs qui chantaient les chansons d'il y a 30 ans. Voilà, Tarkovsky, tout le monde le connaît aussi, je pense, hein, un cinéaste qui a été primé à Cannes. Malheureusement, il n'a pas pu avoir le prix puisqu'il est mort un petit peu avant. Alors, vous voyez, voilà. Ici, sur le monument, il y a des marches. Et en fait, les marches, c'est pour symboliser les principaux films qu'il a tournés. Et ça, l'information, on la tient sur ce sur, puisque c'est sa fille qui, un jour, était sur la tombe pour entretenir, qui nous l'a expliqué. Alors, voilà des films. Alors, sur le premier film qui a eu un grand succès, c'est Andrei Rublev. Hein. C'était vraiment son grand film à succès. Et puis, les autres, alors là, je ne peux pas lire le russe. Solaris, voilà. Le miroir, en fait. Le miroir, je crois que je l'ai, oui. Le sacrifice, je crois que c'est celui qui lui a donné un prix à Cannes. Alors, des célébrités diverses. Hein. Alors, Belanovitch, ça, j'ai découvert il y a 2-3 ans. C'était, en fait, le professeur de russe du président Jacques Chirac. Parce que Jacques Chirac, au départ, quand il était étudiant, quand il avait 20 ans, il voulait s'orienter sur des langues compliquées. Alors, ça ne marchait pas du tout. Et comme Belanovitch était ami avec la famille, il lui a dit « Non, arrête, moi, je vais t'apprendre le russe ». Alors, paraît-il que Chirac parlait pas trop mal le russe et, paraît-il toujours, il arrivait à faire des traductions de Pouchkine. Bon, je vous répète ce qu'on m'a dit. Alors, Eliziev, c'est pareil. C'est le cas d'une tombe. Quand on est passé devant, on ne s'est pas arrêté puisqu'on ne connaissait pas Eliziev. Et en fin de compte, Eliziev, vous savez, hein, c'est un magasin de luxe. Il y en a un à Moscou, un à Saint-Pétersbourg. Bon, malheureusement, celui de Moscou a fermé définitivement il y a à peu près 2 mois. Il reste encore celui de Saint-Pétersbourg. Et c'est un magasin de luxe, un peu Jean Fauchon pour la France, quoi, pour Paris. Alors là, je suis en contact avec des descendants de la famille pour avoir des informations complémentaires. Alors voilà, le magasin de Moscou, la rue Tverskaya. Vous voyez, c'est un très, très beau magasin, très luxueux, avec des produits de très bonne qualité, très chers, mais vraiment, certainement très bons. Moi, je n'en ai pas acheté. Voilà, et celui de Saint-Pétersbourg, où il est beaucoup plus petit, hein, il y a moins de produits, mais on peut consommer, on peut s'asseoir, boire un thé, manger un gâteau. Et alors l'ananas qui symbolise la réussite professionnelle, la richesse, l'opulence, quelque chose comme ça. Et là, le bâtiment, il est assez beau, c'est vraiment style Art déco, je crois, ou Art nouveau, je ne sais jamais, non, Art déco. Alors, la tombe de Fabergé, là c'est pareil, je ne savais pas que c'était la tombe de Fabergé, il a vécu à Paris, c'était un des 4 fils de Karl Fabergé, le joaillier de l'empereur. Hein, c'est pour ça que j'ai mis un 9 pour symboliser son père. Et malheureusement, il a une tombe qui n'a jamais été entretenue, jamais. Alors que c'est quand même un fils de Fabergé. Bon. Avec un de ses frères, il avait ouvert rue du Faubourg-Saint-Honoré un magasin, mais qui n'a pas marché très longtemps parce qu'il ne vendait pas du tout les mêmes bijoux que ce que son père pouvait faire. Et c'était surtout des montres, des choses comme ça, mais ça n'a pas marché longtemps. Et très rapidement, elle a fermé. Tatiana Botkine, qui était la fille du docteur Botkine, le médecin du tsar. Bon, elle a échappé au massacre parce que quand le médecin a suivi le tsar, là, ils se sont fait tous assassiner. Elle est restée et elle a vécu à Paris. Et vous vous rappelez certainement de l'histoire d'Anastasia, une femme qui prétendait être une des filles de l'empereur de Nicolas II, du tsar Nicolas II. Elle, Tatiana Botkine, a toujours dit de son vivant que c'est vrai, elle avait raison, c'était bien elle. Pourquoi? C'est parce que ce qu'elle racontait, il fallait avoir vécu à la cour pour pouvoir le raconter. Et comme elle, Tatiana, vivait à la cour puisque son père travaillait pour le tsar, elle savait très bien ce qui se passait dans le palais. Donc, d'après elle, c'était bien Anastasia. Bon, en fait, on sait tous maintenant que c'était pas elle, puisqu'on a fait des analyses ADN, qu'on prouvait que c'était pas du tout la fille de Nicolas II. Voilà, donc on la voyait ici avec son père et son frère.
Donc, alors, c'est la famille Stravinsky. Alors, il y a toute la famille Stravinsky, sauf lui, bien sûr, qui est enterrée à Sainte-Geneviève. Alors, ce que vous voyez en jaune, dans un rectangle jaune, c'est toutes les personnes qui sont enterrées. La mère de Stravinsky, qui, elle, Anna, qui était la fille d'un ministre d'État à Kiev et qui était mariée avec Fyodor Stravinsky, qui était basse à l'opéra. Vous avez ensuite la première femme, enfin la femme de Stravinsky, qui était musicienne, avec laquelle elle a eu 4 enfants, les voix en dessous. Elle avait une sœur, Ludmila, mais je vous en parlais après. Donc, ils ont eu tous les deux 4 enfants, Ludmila, Théodore qui était peintre, Denise, c'était la femme de Théodore, mais le troisième enfant, c'était Svetoslav qui est vécu en Floride, et Milena qui vivait encore en Californie. Et Yuri, c'était Yuri Mandelstam, bon, c'est pas le Mandelstam que vous connaissez, c'en est un autre, mais c'était a priori un peu de la même famille, qui était donc marié avec Ludmila, mais malheureusement, lui, il est mort en camp de concentration. Et donc, sur la tombe, il y a son nom qui est gravé, mais c'est vraiment en mémoire de lui. Et là, Ludmila, et puis bon, ils ont une fille qui s'appelait Catherine, qui s'est mariée avec Michel. Et Michel, c'était la famille Gélilachis. On a vu, au tout début, une photo où on voyait le secrétaire, le premier secrétaire de la maison russe, c'était de cette famille-là. Alors, Ludmila, il n'y a pas très longtemps, voilà, ça, ce sont les tombes des personnes que je viens de citer. Vous voyez, des belles tombes qui sont toutes les unes à côté des autres, hein, pratiquement. Et la troisième pour Ludmila, il n'y a pas longtemps que je sais, quand j'étais en vacances chez mon fils à Biarritz, on était se promener, et puis il y avait une belle propriété comme ça, et j'ai été me renseigner. En fin de compte, c'est la Villa Belza, et c'était, pendant un moment, c'était tenu par Ludmila Bielanki, donc la belle-sœur de Stravinsky. Elle avait transformé ça en restaurant, et comme à l'époque il y avait beaucoup de Romanov, hein, de grands-ducs, de familles d'aristocrates qui habitaient la région, ils venaient tous dans ce restaurant. Donc Ludmila a tenu jusqu'à la guerre en 1939. Alors je reviens un petit peu en arrière pour une toute petite anecdote. Voilà, Stravinsky ont tous un nom de famille avec un W, hein, ça s'écrit Stravinsky. Alors, et lui, son nom, c'était Igor Stravinsky avec un V, c'est-à-dire Stravinsky. Alors, pourquoi? Et là, c'est parce que quand il a vécu en Floride, je crois, en Californie plutôt, les Américains, avec le nom qu'il avait, l'appelaient Stravinsky. Et ça l'agaçait. Alors, il a décidé de changer, il a mis un V, et du coup, tout le monde, après, l'a appelé Stravinsky, et il était content. Et ça, l'information m'a été donnée par Marie Stravinsky, qui est son arrière-petite-fille. Voilà. Alors, un des petits-fils, un des nombreux petits-fils de Tolstoï, Léon, qui était médecin, sa femme d'ailleurs, la comtesse Tolstoï, est toujours en vie. Hein. Les tombes, alors, j'appelais ça les tombes fantômes, c'est des tombes en fin de compte, comme par exemple celle de Lydia Dalitanskaya. Il y a bien son nom qui est marqué sur la tombe, sur la plaque, mais en fait, elle n'a jamais été enterrée là. Lydia Dalitanskaya, qui était, c'était en fait une femme qui avait été embauchée par Matisse une première fois pour qu'elle puisse l'aider pour faire le tableau qui s'appelle La Danse. C'est un grand tableau qui est exposé à l'Ermitage, un très grand tableau où on voit une farandole quoi, avec des gens qui sont en train de danser. Donc, il y a eu besoin d'elle pour avoir un coup de main. Ça a duré le temps de faire le tableau. Puis après, elle est partie. Mais il l'a quand même rappelé un peu plus tard pour l'aider pour faire d'autres tableaux. Et du coup, elle est restée avec lui et sa femme jusqu'à la mort du peintre. Voilà. Mais elle n'est pas donc enterrée à Sainte-Geneviève, malgré qu'il y ait son nom. Elle a été même pensionnaire de la maison russe à Sainte-Geneviève. Mais elle est enterrée en Russie. Voilà un exemple de tableau qui a été fait par Matisse, hein, qui la représente. Alors, ton fantôme, enfin oui et non. Medvedkov, c'était un prêtre qui officiait à Ugine, c'est dans le sud-est, pas loin de Lyon, je crois, vers Grenoble, qui officiait là-bas. Il est mort et il a été enterré. Et puis, une quinzaine d'années plus tard, la municipalité a eu besoin du terrain. Alors, ils ont donc exhumé tous les corps,
pour les placer dans un autre cimetière. Et quand ils sont arrivés sur la tombe de Medvedkov, eh ben, son corps était intact 15 ans plus tard. Donc, du coup, toutes les sommités de Paris sont déplacées pour constater qu'effectivement, il était entier. Et donc, il a été transféré à Sainte-Geneviève, où il était enterré dans la crypte pendant un certain nombre d'années. Et en parallèle, on a construit pour lui une chapelle ailleurs dans Lyon, et où il repose actuellement, où ses restes reposent au jour d'aujourd'hui. Voilà. Il y a aussi la fille du général Denikin, la femme, pardon, général Denikin, qui était auparavant enterrée à Sainte-Geneviève avec ses deux enfants. Lui, le général était aux États-Unis, et la famille a donné son accord pour que les corps soient exhumés et inhumés à Paris, en Russie. Donc ça, c'est la cérémonie de transfert des cendres qui avait eu lieu rue Daru avec l'archevêque Gabriel. Voilà. C'est pour s'amuser. Ça se fait de moins en moins, mais pendant un moment, sur les tombes, il y avait souvent des trucs comme ça, une petite bouteille de vodka, une bougie, des pièces. Sur Bounine, il y avait très souvent des pièces. Un livre, ça c'est sur la tombe Merkouchev. Il n'y a pas très longtemps, avec Pascal, on a trouvé des soucoupes avec des huîtres, avec des foulards qui étaient accrochés à la croix, avec des espèces de chapelets qui entouraient le... Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, on ne sait pas trop, mais c'est peut-être le témoignage d'un passage de la famille ou d'amis, je ne sais pas. Voilà. Donc là, ce sont tous les gens qui ont participé à la réalisation du livre. Vous voyez, on était nombreux. Ça nous a pris du temps. Pour chaque livre, il nous a fallu 3 ans pour le réaliser, parce qu'il a fallu aller sur place, faire des relevés, chercher des biographies, demander, se renseigner, enfin trouver des photos. C'est un très gros travail, mais bon, le résultat, on peut dire qu'il est quand même là. Voilà. Alors ça, c'est pour votre information. Peut-être qu'on pourra le faire paraître sur le comment Constantin le fera paraître. C'est, si vous vouliez acheter un livre, c'est comment faire pour l'acheter. C'est soit donc à la bibliothèque de la Montagne Sainte-Geneviève, soit à la boutique du centre du Quai Branly, ou alors directement chez moi à mon adresse. Mais là, je verrai avec Constantin après. Voilà. Donc ça, c'est pour la première partie. Alors si vous voulez, on va passer à la deuxième partie. Жан-Пьер, если можно, буквально на секундочку прервемся. Во-первых, я хотел бы просто обозначить, что мы работаем... Cher Jean-Pierre, tout d'abord, je souhaiterais attirer votre attention au fait qu'on travaille depuis un an, une heure et demie. Et on a fait déjà, normal, d'habitude on fait une heure pour toute la conférence, mais on a fait qu'une demi, mais quand même, c'est très intéressant. Les spectateurs, ils nous adressent leurs avis très positifs. Je crois qu'on fait juste 5 minutes de pause. Ce n'est pas facile de raconter depuis une heure et demie. Mmh. Moi, je souhaiterais passer la parole à Madame Ksenia Krivoshein et Monsieur Nikita Krivoshein. D'accord. Écoutez, je vous salue. Nous avons rappelé la famille Krivoshein. Juste un instant. Ksenia a levé la main. Ça fait plaisir de les voir parce que je les ai rencontrés lors de la cérémonie d'inauguration de la plaque. Jean-Pierre, простите, сейчас я хочу, чтобы они взяли слово. Вы буквально немножечко подождите, да? А мне нужно, чтобы Никита Игоревич и Ксения Игоревна... Juste un instant, monsieur Lamotte, parce que j'attends, on a un petit souci technique, afin qu'ils puissent nous joindre à la conférence, parce qu'ils sont là, mais ils ne puissent pas apparaître, malheureusement, sur l'écran. On attend un tout petit peu. On donne la parole à monsieur Krivoshein. Давайте так, пока мы ждем подключения, я просто хотел тогда, знаете, что сделать? Я надеюсь, сейчас появятся наши... J'espère que nos intervenants apparaissent, mais quand même, on a beaucoup de commentaires dans le chat, je vais les lire. Tout d'abord, monsieur De Koshko, il a... parler des projets de l'installation de monuments à Arkady de Koshko pour attirer l'attention des autorités à Moscou. Et là, le message a été adressé à la Société de l'Histoire russe et il a déjà eu la réponse de la part de notre représentant de la société. Donc, votre question a été transmise, donc c'est bon. Puis, Natalia Volkova a
Elles attirent notre attention en fait que le 12 juin, dans la ville de Eugene, dans la cathédrale où servit le saint Alexei Yujinsky, à 10h aura lieu la liturgie, le fils, et à 11h, le 11 juin, il y aura une cérémonie du soir. Soyez le bienvenu et pour tous ceux qui souhaitent rendre hommage à saint Alexei Yujinsky, je vous donne le numéro de téléphone de Natalia, c'est 06 48 99 92 54. Donc, pour ceux qui souhaitent venir, Galina Ovchinnikova. Франко-русс, трудно с этим не согласиться. Значит, я думаю, сейчас нас не слышат, да, в какое-то время тогда Джан-Пьер. Я тогда отвечу на вопрос, который я знаю. Давлю ливр. Или авейкри дифирамов. Зинаида и Зенаида Юсупов. Кумаете коррект. По-русски правильно Зинаида Зина, да, не Зенаида. Так что это норма правильная. Так, значит, Детлев Мельзарик нам напоминает, что есть замечательная книга, посвященная Покудино-Горскому, изобретателю цветной фотографии. Ну и есть достаточно большое количество, значит, есть достаточно большое количество благодарностей, которые действительно прозвучали после вашего выступления. И я beaucoup de commentaires sur la conférence, les avis sont très positifs. Et moi, je prie de nouveau M. Krivosheyn de se connecter d'abord et puis connecter à nous. Ксения Никитина, мы вас слышим, так что вы можете говорить. Слышите, да? Да, мы вас слышим. Пожалуйста, слово ваше. On vous entend, Madame Krivosheyn. Parfait. C'est dommage qu'on ne vous voit pas, mais c'est à vous la parole. Merci beaucoup à M. Lamotte. Infiniment. Pour la personne qui est amateur, ce que vous avez fait, c'est incroyable. C'est un travail formidable. Bah, écoutez, merci. Vous savez, c'est ce que j'ai dit, vous n'étiez peut-être pas là, mais nous, nous ne sommes pas du tout historiens, mais nous sommes passionnés par le sujet. C'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps tous les jours pour essayer d'avoir des informations, faire des photos. Enfin, voilà, c'est notre passion. Господин Ламотт, в качестве маленького, как Monsieur Lamotte. Oui. Juste une petite anecdote. Oui. Vous avez parlé de d'Alexis Dmitrievitch et Julie Brunner. Ah, pour Alyosha, oui. Et Julie Brunner aussi. Oui, oui. Imaginez-vous que moi et Nikita en 1978, oui, c'est sa sœur qui nous a liés tous. Irina Brunner, sa sœur, elle a fait notre connaissance de tous nous. Et d'accord, de nous tous. Nikita, elle souhaite prendre, dire quelques mots. D'accord. Voilà. Le cimetière russe de Sainte-Geneviève et pour ainsi dire, la Russie à l'étranger. Oui, tout à fait. C'est la Russie à l'étranger et l'antipode, l'anti-entité de Sainte-Geneviève-des-Bois, qui est la Russie, est la nécropole dans la grande banlieue de Moscou, de Butovo, endroit où, en 1937-1938, les bolcheviks ont massacré la fleur de l'intelligentsia russe et de ce qui restait de la noblesse russe à Moscou. Et только что на этом кладбище Бутово служил патриарх службу. Et tout à l'heure, le patriarche, il a eu une cérémonie solennelle aux morts. Ce sont, si vous voulez, ce sont deux nécropoles à antipodes, comme sur les deux continents, si vous voulez. D'accord. Вот. Спасибо большое вам. Merci beaucoup. Ah ben, c'est moi qui vous remercie. Merci de cette belle émission.
Merci beaucoup, hein, c'est moi, c'est nous avec Pascal qui nous remercions. Et nous croyons que pour vous, vous devrez éditer une vraie encyclopédie. Oui, bah, peut-être, on verra, hein, on parlera. Я не могу тут не откликнуться. Мне кажется, что вот начало этой энциклопедии положено. Le début de cette encyclopédie, je crois, il est déjà là. Nous avons commencé. Et je dois vous dire qu'à peu près il y a un an, nous avons eu une idée de créer une carte interactive de Sainte-Geneviève, de la mettre en place. Maintenant, elle est en voie d'être développée. On a déjà un prototype où on va mettre les photos, la documentation, une brève biographie de ces personnalités. Et grâce à M. Lamotte et son accord aimable, une partie de ces informations qu'il a réussi à recueillir, peut-être on partagera avec vous pour ce prototype. D'accord. Et donc, nous invitons toutes les personnes qui ont leurs ancêtres ou dont les familles sont enterrées sur Saint-Geneviève à nous joindre afin de partager ces informations. Nous travaillons là-dessus afin de commencer à remplir le contenu de cette carte. Donc, j'espère que nous aurons un soutien de votre part, je m'adresse au public, et ça sera une vraie documentation authentique. Après. D'accord, on est prêt à vous aider hein, pour réaliser ce projet. En tout cas, ça nous intéresse. Oui, on peut continuer, on passe à la deuxième partie. D'accord. Alors, attendez, là, il y a monsieur qui m'aide. Avant, voilà. On essaie juste de se débarrasser de, vous voyez, de la ligne grise qui vous a empêché de m'entendre. Là, vous voyez la ligne grise. Ah oui, c'est bon, c'est parti un peu. Voilà. Là, c'est bon pour vous, vous voyez le. Oui, le public voit très bien. Ouais, d'accord, très bien. Bon, alors, là, le but de ce que je vais vous présenter, c'est de vous montrer un peu l'état de dégradation, faut employer les mots qui vont avec, hein, des tombes du cimetière. Hein. C'est vraiment un problème important. Je vais vous montrer les différents types de problèmes qu'on peut rencontrer sur les différentes tombes, parce que le problème, il est sur les tombes, mais il n'est pas sur les allées. Tout ce qui est allée, c'est entretenu par la commune, puisque c'est un cimetière communal. Là, il n'y a pas de problème. Alors, voilà. Donc, on a fait, avec Pascal, on a fait un relevé, on a regardé quand même 5192 tombes sur les 5252. On a essayé de classer les défauts des tombes par catégorie, trois catégories principales. Les pierres tombales, donc soit cassées, soit réparables, avec un point d'interrogation parce qu'on n'est pas des spécialistes. Les croix en ciment qui sont cassées et qui sont à plat sur la tombe. Les croix qui sont en ciment, mais toujours debout, mais en très mauvais état. Et puis les croix en bois aussi, qui sont ou debout ou à plat et en très mauvais état. Il y en a 236, c'est la quantité à chaque fois. Hein. Donc, et pour finir, les tombes qui sont envahies par la végétation. Il y en a 877. Alors, c'est vrai que si vous faites le total de tous ces chiffres, vous allez trouver un chiffre supérieur à 1253 tombes. Ça veut dire que, quelquefois, il y a deux défauts par tombe, ou trois défauts, enfin, moins deux. Alors voilà, ça, le cimetière est découpé en zones, chaque zone a un nom de fleur, et ça vous indique que ce que l'on a fait avec Pascal sur les différentes zones, avec le nombre de tombes que l'on a vérifiées, regardées, photographiées. Alors, les tombes cassées, alors, ce sont vraiment des exemples, hein. Vous voyez la tombe qui est à gauche, j'ai eu les numéros de tombes comme ça, si un jour vous allez au cimetière, vous les retrouvez, qui sont complètement cassées, comme celle-ci, comme celle-là. Des comme ça, il y en a 21 qui sont vraiment cassées. Hein. Alors là, on ne peut rien faire, il faut tout changer, il faut tout enlever. Ce n'est pas réparable. Après, un exemple d'une tombe qui est cassée dans cet état au jour d'aujourd'hui, et comme elle était avant, elle était comme ça. Alors, vous voyez qu'il y avait une stèle droite, alors que là, vous voyez une croix. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette croix, elle était sur la tombe qui était derrière. Là, on voit un petit peu le début de la tombe.
elle est tombée sur la stèle, elle a cassé la tombe. Et en fait, donc là, il y a d'un côté la croix qui est cassée, de l'autre côté la tombe qui est cassée à cause de la croix. Alors, des tombes réparables, ça, c'est un exemple. Hein. Vous voyez, par exemple, à droite, peut-être que ça, bon, on peut faire pivoter puis remettre la stèle droite. Ça, c'est, à mon avis, c'est réalisable, mais on n'est pas des spécialistes. Hein. Là, ici, on peut mettre une plaque, on peut rajouter de la terre, on peut faire quelque chose. Mais là, ce sont des exemples où il ne faut pas tout casser, il ne faut pas tout refaire, ça ne sert à rien. Là, c'est pareil. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arbres. Les arbres, c'est bien quand c'est petit, mais ça prend du volume, ça soulève les tombes. Et là, peut-être que c'est réparable. Peut-être qu'on peut faire quelque chose de plus court. Pas besoin d'avoir toute cette partie tout en longueur, on peut la raccourcir. Enfin bon, ça, ce sont des idées. Après, bon, il y a des spécialistes qui pourraient regarder si on donne suite à ce projet. Ou alors des tombes où il n'y a plus de tertre, c'est tout plat. Quoi. Alors qu'au départ, c'est un beau tertre en terre, comme le faisaient les Russes, comme le font toujours dans certains cimetières, les Russes. Voilà un autre exemple, avec ici un angle qui est cassé. Là, c'est pareil, ça, c'est réparable, tout ça. Là, c'est la... c'est du fer, c'est une clôture en fer, bon, il faut peut-être la repeindre, il faut réparer le portillon qui n'existe plus, mais ça, c'est du réparable, tout ça. Encore un autre exemple, cette tombe qui est dans cet état-là au jour d'aujourd'hui, comment elle est, mais c'est vraiment, ce sont des exemples, mais j'en ai plein comme ça à vous montrer, mais je ne vous montrerai pas, parce que sinon, on en a pour plusieurs heures. Elle était comme ça en 2005, vous voyez ? En 15 ans. Et alors, vous noterez au passage, et ça, c'est quelque chose qui m'a frappé, c'est que les pierres tombales étaient relativement propres, pas blanches, mais relativement propres. Et au jour d'aujourd'hui, elles sont plus, vous voyez, grisonnantes. Et moi, je pense que c'est la pollution, parce que on n'avait pas ces problèmes-là auparavant, et là, ça a l'air de se développer, la pollution atmosphérique. Alors, par exemple, de maintenant des croix en ciment qui sont cassées. Alors là, c'est une stèle qui est cassée. Là, malheureusement, c'est une tombe qui a été remplacée il y a 5 ans. Elle est déjà cassée. Un exemple de tombe avec la croix cassée au jour d'aujourd'hui, elle est comme ça, alors qu'il y a 15 ans, puisque j'ai fait des photos il y a 15 ans, elle était comme ça. Vous voyez, la différence est flagrante. Hein. Alors, les croix maintenant qui sont quand même, qui ne sont pas tombées, mais qui sont encore debout, mais qui présente vraiment des gros problèmes. Par exemple, ici, vous voyez, c'est vraiment dans une zone bien particulière où on voit l'armature de la croix, hein, c'est du ciment armé. Donc ça, c'est des tiges métalliques. Et je pense que quand il y a des températures très basses, il y a un coefficient de dilatation qui n'est pas le même, et ce qui fait que la ferraille, le fer, se dilate beaucoup plus que le ciment, et ça fait fissurer, casser le ciment. Et ça, c'est dans une zone bien précise. Au passage, vous verrez que Pascal était bien là. Hein. Je ne raconte pas des blagues. Et voilà, ou alors une croix qui est en biais. Bon. Alors des croix en bois maintenant qui sont aussi cassées, qui sont à plat. Alors des fois, il n'y a pratiquement plus rien. Hein. Ou alors cassées, qui sont debout, mais cassées, qui sont vraiment... Bon, ça, c'est pareil. Hein. Ce n'est pas des gros travaux. Une croix, ça se refait. Hein. Alors un exemple d'une tombe qui est comme ça au jour d'aujourd'hui, et qui était comme ça avant. Vous voyez, c'était fleuri. Bon, après, ça se discute, les fleurs ne sont peut-être pas terribles, mais enfin, il y avait quand même des fleurs. La croix était debout, elle était en bon état. Et 15 ans plus tard, eh ben, c'est devenu comme ça. Alors là, c'est le gros morceau, vraiment le très gros morceau, c'est tout ce qui est végétation, mousse. À l'exemple, une tombe envahie par la mousse. Une tombe envahie par le lierre. D'autres tombes, comme celle-ci, qui est complètement envahie par le lierre, ou celle-ci, on ne sait même pas ce qu'il y a en dessous. On sait que c'est une tombe, mais quelle forme elle a, on ne sait pas. C'est vraiment recouvert par du lierre. Alors voilà, alors ça, c'est l'exemple type. Vous voyez, il y a trois tombes qui sont envahies par le lierre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au début, il y en avait une seule. Le lierre a poussé, puis petit à petit, il a poussé sur la deuxième tombe, et qui ensuite a poussé sur la troisième, etc. Et ça, c'est l'inconvénient du lierre, parce que le lierre, c'est une plante qui se répand à une vitesse très rapide. Alors, voilà le type de végétation qu'on peut trouver. Alors, c'est surtout le lierre, le noisetier et le prêle des champs. Il y a un peu d'érable sycomore, de raisin, mais les trois
Les trois mauvaises herbes qu'on trouve en masse, c'est le lierre, la prêle des champs et le noisetier. Donc l'évolution, voilà. Ça, c'est une tombe qui était dans cet état-là en 2005. Bon, vous voyez, elle était entretenue. Là, c'est du buis. Hein. C'était taillé. Là, il y a un arbre qui n'est pas trop volumineux. Bon, la stèle est propre. Il n'y a pas de problème. Mais regardez dans quel état elle est maintenant. Vous voyez, c'est la même tombe, 15 ans plus tard, mais envahie par le lierre. Et c'est un problème qu'on va retrouver un peu partout dans le cimetière sur 877 tombes. Alors là, c'est un petit bilan quantitatif. Hein. Sur 1252 tombes, on retrouve les chiffres que je vous ai présentés tout à l'heure, 21 cassés. Et ça, le pourcentage, c'est par rapport au nombre de défauts qu'on a trouvés. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le problème numéro un, eh ben, c'est la végétation. Hein, il y a 877 tombes qui sont envahies par le lierre, dont il y en a au moins 500 qui sont à nettoyer en urgence, parce que si on laisse faire, dans 15 ans, dans 10 ans, il y a des parties du cimetière qui sont complètement envahies par la végétation. Alors là, je vais vous présenter, j'ai fait des petits bouts de film, la semaine dernière. Et regardez un peu, ça, c'est une allée où il y a beaucoup d'hier. Là, ça parle mieux avec une vidéo, des photos. Alors, vous voyez, le lierre, là, on le retrouve bien sur les tombes. Ce sont des tombes qui sont abandonnées, en fait. Hein. Il n'y a plus de famille, il n'y a plus de concessionnaire, je ne sais pas exactement, mais plus personne ne l'entretient. Et ça, ce n'est pas la mairie qui doit l'entretenir. La mairie, ce n'est pas à sa charge. La mairie, elle, doit entretenir les allées, uniquement. Alors, les allées, bon, il y en a des kilomètres d'allées. Hein. Voilà, ça, c'est un beau noisetier, voilà. Et il y a des tombes qui sont propres à côté. Oui. Attendez. Donc là, comment je fais? Ouais. Après, ça, c'est une autre vidéo où il y a un peu de tout, il y a toujours du lierre, mais il y a aussi quelques tombes où il y a de la mousse, vous allez voir. Vous voyez un peu la végétation qui est envahissante, mais c'est incroyable. C'est pour ça que j'ai fait des vidéos, pour qu'on réalise mieux l'ampleur des dégâts. Vous voyez, et tout ça, en fait, c'est surtout dans une zone du cimetière. Hein. Il y a une zone qui est vraiment touchée. Hein. C'est celle qui est près de la forêt, en fait. Il y a la forêt qui est pas loin, ça s'appelle le Bois des Trous. Et on se demande s'il n'y a pas une relation à faire. Alors voilà. Et maintenant, une autre zone, et ça sera la dernière vidéo, où il y a de l'herbe. Hein, c'est le prêle des champs, là, ce que vous montrez. Voilà. Et là, la graine se répand de tombe en tombe. Hein. Alors, si la tombe n'est pas entretenue, eh ben, ça va repousser. Alors, vous voyez au milieu, à droite, il y a une tombe qui est entretenue, il n'y a pas d'herbe. Alors que les autres ont de l'herbe parce que ça n'a jamais été entretenu et ça se développe. Et tous les ans, ça prend de l'ampleur, ça prend du terrain. Je crois que j'ai fini, là. Voilà. Avec Pascal, on s'est permis de faire un essai. On a dit, on va faire un nettoyage d'une tombe. On a pris une tombe qui n'était pas trop quand même endommagée par la végétation. Et puis, c'était cet hiver. Alors, on n'est pas resté longtemps parce qu'il faisait froid. Mais on a quand même bien nettoyé la tombe. Et donc, on s'est permis de le faire. Parce que théoriquement, je sais qu'on n'a pas le droit. Mais pour l'exercice, on l'a fait. On a pris le droit. Et avant, elle était comme ça. Et après, le nettoyage que l'on a fait, j'ai même poussé des vis jusqu'à mettre des fleurs. Voilà ce que ça donne. Donc, tout ça, c'est pour vous prouver qu'avec de très petits moyens, parce que nous, on n'a pas des gros moyens pour faire ça. Ça nous a pris des heures. En très peu de temps, ouais, peut-être même pas deux heures. Ouais. On peut faire quelque chose de pas mal. Et on n'a même pas nettoyé vraiment la pierre à fond. On a passé un coup de brosse, mais peut-être que ça peut être mieux fait. Vous savez, nous, on a voulu faire un essai. Ça montre bien que si on veut faire un petit effort, on peut y arriver. C'est tout. Voilà. Je crois que c'est tout. Ouais. Voilà. Donc là, moi, j'ai terminé de vous présenter la deuxième partie. Alors, tout ça pour vous dire que, je le répète, hein, si on ne fait rien dans ce cimetière au niveau de l'entretien des tombes, l'entretien, ce n'est pas des gros travaux. Hein. Ça demande simplement un peu de main-d'œuvre, un peu d'outillage et un peu de temps. Et si on arrive à se débarrasser des tombes, nettoyer les tombes qui sont envahies par le lierre, ben, je peux vous garantir que le cimetière, il aura une autre allure. Les tombes cassées, bon, il y en a peut-être 21, ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, pour moi, c'est le plus gros problème, c'est la végétation. Et ça, on peut le faire,
Mais comment le faire? Ça, je ne sais pas. Je sais que Constantin Volkov est en discussion avec notre maire, Frédéric Petita. Bon, je pense qu'ils vont trouver une solution. Moi, je ne la connais pas, puis ce n'est pas à moi de la chercher. Mais j'espère qu'on va en trouver une parce que ça va devenir catastrophique. Hein. Je pèse mes mots, ça va devenir catastrophique. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Merci vraiment, господин Лямот. Merci beaucoup, monsieur Lamotte. Merci, Jean-Pierre. Je dois donner juste quelques commentaires parce que moi, personnellement, je vous ai invité exprès afin que vous nous racontiez l'état de sépulture sur la nécropole russe aujourd'hui, parce que nous, bah, bien évidemment, dans la maison russe, on connaît bien ce qui se passe, mais par le décret de gouvernement de 2010, il y avait une liste spéciale qui ont une valeur commémorative et historique, donc les sépultures. Et il y en avait le numéro 13 ou 14, c'est le cimetière Saint-Geneviève-des-Bois. Et puis depuis 2020, il y a encore une sépulture de Goncharova à la Rayonov, Sèvres-sur-Seine, qui a été ajoutée. Et depuis 2018, nous avons une vision complète de ce qui s'est passé au cimetière grâce à vous, grâce au bureau d'architecture. On avait tout un catalogue et tout un inventaire sur les travaux, et il y avait également une division selon les catégories de des travaux, et on sait bien qu'il nous faut faire restaurer 45% à en accord avec la mairie, nous avons réussi à obtenir tous les documents et toutes les autorisations pour avoir un cahier de charge, pour voir tout ce qui concerne la partie juridique. Et en plus, nous avons envoyé une demande pour allouer les fonds nécessaires au ministère de finances de Russie. Et a priori, l'année dernière, nous aurons pu commencer déjà une partie de ces travaux parce que les fonds auraient dû être alloués et les travaux auraient dû démarrer. Mais malheureusement, Covid, il a gâché tous nos projets. Et néanmoins, la demande est toujours à Moscou. Et j'espère bien que prochainement, avec la mairie, avec toutes les parties intéressées, parce qu'il y a vraiment beaucoup de parties intéressées, parce qu'il n'y a pas qu'une seule partie qui est concessionnaire et pas qu'une seule partie qui prend la décision sur les types de travaux et sur l'ordre de travaux et sur la priorité. Pour cette raison, il nous faut tout d'abord attendre l'allocation des fonds nécessaire, et puis un partenariat avec tous ceux qui en France et en Russie s'intéressent et sont liés à l'entretien, à la sauvegarde du cimetière. On doit réaliser ces travaux afin que après personne ne nous reproche, parce qu'on peut comprendre comment parfois on fait des réparations. Oh, oui, on voit par exemple il y a des réparations, même la forme et les dents et si vous voulez, le visage, l'identique d'une telle ou telle sépulture n'est pas sauvegardé. Pour nous, ce ne doit pas être le cas. D'accord. Deuxième point, en ce qui concerne donc la partie dont vous avez parlé tout à l'heure, pour ce qui est le lierre et toute la végétation, oui, c'est vrai, nous avons essayé de travailler cette question avec la mairie. Ils ont notre lettre, notre demande à ce propos. Le 10 mai, j'ai rencontré monsieur le maire Saint-Geneviève-des-Bois. Je crois que tôt ou tard, nous pourrons terminer tous ensemble cette partie-là. Et là, j'espère que vous, en tant qu'organisation publique, les bénévoles et bien sûr la mairie, puissent travailler ensemble, parce qu'il y aura du travail pour tous. Ah ben certainement. Mais vous savez, Asia, c'est vraiment le problème numéro un à traiter en urgence, c'est le nettoyage des tombes. C'est pas de la réparation, c'est du nettoyage. C'est enlever toute la végétation. Et vous avez vu l'essai qu'on a fait sur une tombe, c'est révélateur. On peut obtenir quelque chose de pas mal du tout. Et il faut commencer par ça, c'est vraiment la priorité pour moi. Жан-Пьер, абсолютно вы правы, разумеется, можно разбить работы на разные виды, на разную приоритетность и очередность,
Oui, bien sûr. Le sens de notre initiative, notre projet, c'était d'attirer un maximum de personnes, même si aujourd'hui il n'y a qu'une partie qui a regardé, il y aura notre enregistrement. Donc, j'espère que beaucoup de personnes pourront regarder cet enregistrement en français. Je pense qu'on pourra lancer ce projet et attirer l'attention sur l'état de ces tombes et ce que vous faites et ce qui nous préoccupe. Je vais parler de quelques questions, donc commentaires, avant de terminer. Donc, je vais quand même remercier nos interprètes qui ont plutôt bien performé. Il y a une personne qui travaille en Russie et une autre en France. Peut-être que ça influe sur la qualité de la liaison. Parfois, on peut ne pas entendre tout. Il y a des choses peut-être que quelque chose n'a pas été entendu. Il y a certains éléments qui n'ont pas été peut-être entendus, donc on ne peut pas tout connaître, mais je pense que la qualité de la traduction est bonne quand même, et donc remercie Madame Chachkina, merci d'être avec nous, c'est l'archiviste en chef, n'est-ce pas, et merci à vous. Vous avez demandé où on peut acheter ce livre, n'est-ce pas? Oui. Oui, oui. Où est-ce qu'on peut l'acheter? C'est ce que je... Alors, Jean-Pierre nous a déjà montré, n'est-ce pas? Oui, Jean-Pierre, vous vouliez dire quelque chose? Oui, simplement, j'avais préparé un slide avec les différents endroits à Paris et à Sainte-Geneviève où on peut trouver ce livre. Je vais le laisser... à Constantin Volkov, qui pourra peut-être le faire paraître dans les diffusions. Oui, j'ai fait une copie d'écran et je vais mettre cela donc sur le site. Et je voudrais aussi vous montrer ce lien. Ce n'est pas le seul, mais c'est le seul que j'ai pu trouver. C'est le Centre culturel d'Alexandre Solzhenitsyn et je pense qu'on peut aussi commander ce livre-là. C'est ce que j'ai trouvé, ce n'est pas de la publicité. Ça fait partie des trois points de vente que j'ai signalés dans le slide que j'ai présenté tout à l'heure. Donc, voilà. J'avais parlé de Solzhenitsyn, j'avais parlé de Kebranly et Saint-Geneviève-des-Bois chez moi. Замечательно, замечательно. Ну, я думаю, что если поискать, есть еще какие-то другие источники. Сейчас с поставками книг... Peut-être qu'il y aura d'autres possibilités. Olinka Taniarova de Québec, elle est allée, il y a 5 ans, elle est venue à Paris et elle a passé toute la journée au cimetière et elle est étonnée qu'il y ait un tel travail de recherche analytique qui a été fait. Elle vous remercie pour cette énergie que vous avez consacrée à ce travail et vraiment vous avez réussi à faire revivre le passé. Et vraiment, moi aussi, je pense comme ça. Nous avons, c'est une brillante excursion, une belle visite de ce cimetière, et comme si nous avions rencontré ces personnes en vrai, et c'est extraordinaire. Et Olga dit qu'à côté d'elle, il y a un cimetière. Et si vous venez au Québec, elle va vous faire une visite de ce cimetière. Donc, acceptez son invitation. Dimitri de Koshko vous remercie infiniment. Il a dit que c'était magnifique et remarquable. Et il dit que ce monument, les organes de pouvoir municipaux essayent de conserver quand même au maximum ce cimetière, de faire tout leur possible. Et le nombre de visites augmente chaque année. Et cela prouve que cet endroit est très important. Et donc, même sans le vouloir, actuellement, changeant quoi que ce soit, vous pouvez jouer peut-être un rôle négatif dans son avenir. Alors, la priorité, évidemment, est donnée aux habitants de Sainte-Geneviève-des-Bois actuellement. Mais
En gros, si on y pense, ça peut changer la nature, le caractère de ce monument historique, de ce cimetière, parce que ceux qui dirigent actuellement Sainte-Geneviève-des-Bois, c'est eux qui prennent les décisions pour les tombes et changent la nature même du cimetière. Et donc, ça veut dire que ils refusent à des représentants de la culture russe qui habitent en France, c'est-à-dire on leur refuse le droit d'être enterré là. Et Dimitri demande, est-ce que vous pensez pouvoir élargir ce cimetière pour sauver ce qui se trouve là actuellement, à l'état où il est? Est-ce que vous pensez qu'il faut élargir ce cimetière pour conserver sa nature d'aujourd'hui, son état d'aujourd'hui, sa destination d'aujourd'hui, son... Oui, mais moi je pense que la réponse, c'est le maire qui peut la donner, c'est pas moi. Parce que c'est vrai qu'autour de ce cimetière, il y a du terrain, mais est-ce que le maire a décidé de le faire? Est-ce qu'il peut le faire? Ça, je sais pas répondre. Mais ce qui se passe, c'est que c'est vrai qu'il y a des personnes qui voudraient bien se faire enterrer dans le cimetière, mais à qui on refuse. Mais pourquoi on refuse? C'est parce qu'au jour d'aujourd'hui, comme il n'y a pas d'emplacement libre, eh bien, il n'y a que les personnes qui ont déjà un caveau de famille ou un emplacement réservé qui peuvent se faire enterrer dans le cimetière. Mais comme il n'y a plus d'emplacement, ce ne sont plus que les descendants de ceux qui sont déjà enterrés qui peuvent se faire enterrer. Et on peut, plus l'agrandir parce qu'il n'y a plus de place ailleurs. Derrière, peut-être à la place de la forêt, je ne sais pas. Mais tout ça, ça va être réservé aux catholiques. Vraiment. Mais bon, enfin là, je dis la réponse, elle est entre les mains de la municipalité. Hein. C'est le maire qui décide. Là, moi, je ne sais pas répondre pour lui. Hein. Tout ce que je peux dire, c'est pourquoi on refuse au jour d'aujourd'hui à des Russes de se faire enterrer. C'est parce qu'il n'y a pas ils n'ont pas de caveau de famille, ils n'ont pas de sépulture qui permettent de le faire. Mais nous pensons aussi qu'il y a des emplacements qui sont vides aussi. Ils sont réservés. J'ai eu la réponse. Tous réservés. Ah oui. Но я так понимаю, что этот вопрос в любом случае он имеет право на существование, решать. De toute façon, cette question, elle a le droit d'exister, donc c'est la municipalité qui doit en décider, et ceux qui donc ont donc le droit, ont des concessions sur le cimetière. Donc on va essayer de terminer. Je vais lire deux commentaires importants. Oui. Le premier, Isabelle écrit: il ne faut pas oublier que la partie orthodoxe du cimetière est un site d'héritage, c'est un héritage culturel, et donc il y a des règles qu'il faut respecter lors de la restauration, ce qui est vrai. Donc on ne peut pas se permettre de faire restaurer ça à l'aide de volontaires ou de non-professionnels. Donc, il faut absolument, dans le cahier des charges qui est donc préparé, il s'agit de tenir compte des opinions de toutes les associations, des familles, de la mairie, mais il faut indiquer un programme précis de travail sur des projets concrets pour que tout soit validé, concerté. Et deuxième point, Nestor Genko me demande personnellement de faire attention à la chose suivante. Le cimetière à Nice est dans un état déplorable également, catastrophique. Et c'est vrai, je ne vais pas parler de ce cimetière-là, de ce cimetière concret, parce qu'on a beaucoup écrit sur cela, mais je dois dire autre chose. Aujourd'hui, actuellement, nous avons une règle proposée donc d'introduire donc dans la liste des sites concernant la Russie, proposer de nouveaux sites. Et le deuxième site, c'est notre initiative. Donc la tombe de Goncharov, Larionov. Et donc nous avons concerté ça avec Rostroudnichestvo. On peut organiser une série de rencontres, de conférences, de tables rondes, et en s'appuyant sur les opinions d'historiens, d'enthousiastes, d'experts, on pourrait faire une sorte d'inventaire des sites russes en France, dans le domaine des tombes, pour ce qui est des tombes.
Et donc, je voudrais réaliser une conférence comme ça, faire une conférence et impliquer des spécialistes russes comme Margarita Shashkina et d'autres spécialistes qui s'intéressent et essayer de délimiter ou essayer de choisir les sites russes importants, tombes qui se trouvent en France actuellement et essayer de voir lesquels sont les plus importants du point de vue historique et faire une sélection parce qu'on ne peut pas tout faire tout de suite et à la fois. Et il faut comprendre quelle est l'échelle, il faut impliquer de nouveaux chercheurs. J'ai dit ça plusieurs fois, on connaît plus ou moins l'importance de ces cimetières qu'on a à Sainte-Geneviève-des-Bois, mais à l'entrée, donc il y a marqué seulement 60 personnalités du monde de la culture, de la science, personnalités religieuses, mais il y en a beaucoup plus que 60. Et donc c'est un travail important, et dans le cadre de Sainte-Geneviève-des-Bois et sur d'autres cimetières, et ça concerne d'autres villes, sites, Biarritz, etc., tout cela nécessite des chercheurs, du travail. Et donc, pour finir, je voudrais remercier Jean-Pierre et Patrick et leur dire, vous savez, aujourd'hui, nous avons commencé un long chemin, et ce n'est qu'un début, c'est un chemin de recherche très long, qui est très important, obligatoire, et que nous allons accomplir avec plaisir, avec vous, avec d'autres amis, partenaires français, et avec évidemment nos compatriotes qui manifestent beaucoup d'intérêt, d'enthousiasme, et ils doivent manifester un maximum d'enthousiasme et doivent être accessibles lorsqu'on aura notre plan établi, défini. On va évidemment s'adresser à vous, on va vous écouter, nous serons ravis d'avoir avec nous tous ceux qui s'intéressent à cela, tous ceux qui veulent nous soutenir et qui souhaitent soutenir l'entretien de cette nécropole, cette grande nécropole importante de Sainte-Geneviève-des-Bois. Donc, je pense que on va terminer par cela. On va remercier nos invités, remercier tous ceux qui nous ont regardés plus de 2 heures, tous ceux qui ne nous ont pas quittés, tous ceux qui nous ont critiqués, tous ceux qui nous ont compris. Et merci. Et nous vous attendons sur notre scène virtuelle. Et quand on pourra traverser la frontière, alors on vous attend dans nos locaux accueillants. Merci à tous, merci à vous et à très bientôt. Jean-Pierre. Oui, une toute petite précision. Je vois qu'il y a une question qui a été posée. Le lieu est-il classé ? Oui, je ne l'ai pas dit. Toute la partie orthodoxe du cimetière et aussi l'église de la Dormition sont classées monuments historiques. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Quand on veut faire des travaux, il faut passer par les bâtiments de France. Il y a toute une procédure à suivre. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, où il faut faire appel à des spécialistes, il faut faire appel à des gens qui sont homologués par les bâtiments de France pour faire des réparations. Bon, pour faire du nettoyage de lierre, je ne sais pas, je ne pense pas. Mais voilà, ça c'est un point que je voulais préciser, je ne l'avais pas dit pendant la présentation. Nous avons une permission des bâtiments de France, justement. D'accord. Donc, dès qu'on a le financement, on peut commencer. Et je vais préciser, à part le classement en tant que monument historique, il y a eu une idée d'introduire ce cimetière dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et j'ai travaillé 6 ans à l'UNESCO et je pense que c'est peu probable, c'est difficilement réalisable, mais ça souligne le fait que ça indique l'importance de ce site, ce cimetière. Ça prouve son importance. Et donc, c'est vraiment un site d'importance historique. Et deuxième, la conclusion finale. Moi, en tant que quelqu'un qui travaille, qui fait de la pratique, qui travaille sur ce cimetière, donc tous ceux qui sont intéressés, qui veulent participer à la rénovation de ce cimetière, il y a beaucoup de contradictions actuellement, beaucoup de vues différentes par rapport à l'avenir de ce cimetière. C'est notre patrimoine commun.
Ce n'est pas des grands mots. Donc, il faut vraiment trouver un accord diplomatique, trouver une vision commune, une approche commune et travailler ensemble, en commun, et faire tout pour que ce cimetière soit conservé, en tout cas en l'état, et il vaut mieux qu'il ait cet état qui a été montré par Jean-Pierre en 2005, vous savez, quand il avait montré des photos. Et c'est un joyau, vraiment, et il faut qu'on fasse tout pour le conserver. J'espère que ça sera ainsi. Merci à nos interprètes remarquables et à Vladimir Anatolievitch, notre technicien, et évidemment nos intervenants, nos brillants intervenants. Merci beaucoup. Voilà, et vous pouvez compter sur nous, on va vous aider. Au revoir. Et nous, on va vous aider à vous. On va vous aider. Merci à tout le monde. Merci à tous et à toutes. Merci de votre attention. Merci pour l'accueil. Merci pour tout. Allez, au revoir.